C'est l'heure de l'émission. Salut Générique Et euh, à tous, euh, nous sommes ce soir lundi. Et eh oui, et eh oui, le lundi. Et c'est le lundi, c'est les sondiers. Bonsoir à toutes, à tous. Je suis avec des tonnes de personnes. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Euh, ah, je vois que nous avons Liane Folie parmi nous. Bonsoir, Liane. Tout à fait de retour de tournée. Enfin, je fais, je fais une petite pause. C'est quoi C'est euh, Aix-les-Bains bientôt. Euh, Saint-Étienne le 19. <laughs> Saint et euh, le 23, je serai à Goussainville euh, avec euh, Richard Sanderson en première. En heure et loire euh, ouais, Très ouais. bien. Euh, merci beaucoup. Je vous applaudis très fort. Mais non, évidemment, c'est pas Liane Folly c'est Toxic Avenger. Bravo. Oui. Voilà. Et je suis très content de te revoir à nouveau dans cette et émission. Oui. Moi aussi ça, ça fait, fait un bail euh, d'autres ouais. gens maintenant voilà oui, oui. <laughs> présente-toi c'est pas grave c'est pas, pas grave, pas... grave. j'ai pas mes heures d'intermittence mais c'est pas grave c'est quoi cool. ouais. <laughs> <laughs> monsieur Kiviac instrument parmi nous <laughs> mais euh, <laughs> qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'as-tu qu qu quel est ton problème exactement je ne comprends pas qu'est-ce que tu portes il est euh, tu montagne. portes un Apple Vision Pro euh, exactement et tu es en mode euh, tu nous vois là tu nous vois Allô, tu me vois Est-ce que tu es dans le, dans le parc du Yosemite ou est-ce que tu es dans. Pas là, mais pas là. voilà. Voilà, ça y est. Ah, bon, bah c'est cool de participer à une émission où dans laquelle tu n'es pas là. C'est vraiment top. Je... C mais ça, c ça va pas durer, pas... va je vais retirer ça assez vite, je pense. D'accord. <laughs> okay, bah, ça fait déjà une demi-heure qu'on fait les balances avec ton truc sur la tronche. Ça, ça, ça te longtemps. minutes, c'est bon. Et vous l'avez entendu, c'est Blast. Oui, il est de parmi nous. Bonsoir. Euh, applause avec... Euh, alors euh, derrière c'est encore un airwave j'ai l'impression.. Ouais ouais j'alterne. Ouais t'alternes euh, euh. ouais, ok ça marche. Et, euh, et donc... Euh, oh bah. <laughs> ah bah Tom <laughs> salut ça va <laughs> bah. Un Apple Ski je, euh, Pro. Je vais aller chercher mon, mon vision, mon vision presque pro aussi. Presque. Ton, ton vision euh, amateur. Ouais, c'est ça. Mon vision okay. amateur. Ouais. Ok, ok. Bah, D'ailleurs, il est pas sur tes yeux, mais si tu. D'ailleurs, tu vois au travers aussi. Et on voit tes yeux au travers. C'est ça. c'est une sacrée. C'est vachement mieux fait en tout cas. Le tien, quoi. 2024. Ouais. C'est fait mais par une tient, boîte est... française. Il, il ressemble à mort. Attends, regarde. Il ressemble à mort. C'est ah, presque oui, la est... même chose. Ouais, ouais c'est clair ouais il ouais, y, y a quelque chose bon alors euh, et ben ce soir on va parler un peu euh, bah de, de tout de rien comme d'habitude on va parler peut-être de des news euh, matos musique plugins etc enfin normalement Liane Folly se plaint toujours que quand elle vient il y a jamais de news mais ce soir, on a des news quand même, Liane. Ah, oh, non, je oui. peux... Oui. Non, mais je parle de news un petit peu euh, euh, blues, euh, de trucs qu'on voit un peu, quoi. Voilà, tu vois. Là, 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 bon, j'ai la liste des news. Partez, hein. Je ne voilà. sais pas, cette semaine, pour, pour <laughs> partir. il n'y a pas de non, Mais non, partez de, pas. de révolution, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin Mais non, <laughs> pas du tout. <laughs> non, ça va être super. Non, mais par contre, ça m'intéresse, tu vois, par exemple, de, de savoir ce qui se passe euh, dans la vie de Liane Folly en ce moment. Moi, j'ai noté deux trucs. Allez-y. Et après peut-être que je, je, je me suis planté, mais deux trucs. Le premier, c'est ton EP avec euh, avec euh, ton ami. Euh, Greg Kozo qui est sorti il y a quelques mois déjà, Ozo, qu il y a là, quelques semaines. Voilà. Super, voilà. Il y a quoi, six titres je crois si j'ai bien. Oui, c'est ça. C'est ça, six titres. Euh, donc super chouette. Et il y avait une preview. C'est euh, s'appelait quoi, The Things We Do, quelque chose comme ça. C'est ça. Oui c'est ça, voilà, un comme ça, c'est bien, c'est bien. Bien. bien, bravo, bravo C'est pas mal, tu vois Ouais c'est très et... bien Et j'aimais bien parce que euh, je suis hyper client de, enfin, ça change un peu de ce que tu fais euh, en ce moment ouais. so... Et après je me suis dit bah, et en fait là tu nous as sorti un autre truc, Acide Machine Ouais, ouais ouais, ouais là... c'est sorti il y a quelques semaines Putain mais ça c'est cool en fait ah mais, euh... Ça m'arrive hein, ça m'arrive des fois hein. <laughs> <laughs> non, mais là, mais moi je suis hyper client là. Ah, shade. comme ça là, tu sais. Je peux pas ah bah le passer parce que sinon tu m'envoies tes avocats. Non, euh... tu crois C'est le retour, le retour à, la, à la musique énervée pour mon projet euh, d'un EP qui sort le 19 avril. Euh, voilà, vous pouvez le précommander euh, en vinyle sur le site, euh, sur Bandcamp. Y a plein, on a fait des patchs, on a fait des t-shirts. Bref, euh, euh, j'ai besoin d'argent parce que euh, <laughs> euh, parce qu'en fait monde. je suis comme tout le monde. Ouais, bah écoute c'est c'est génial que tu parles d'argent parce que j'allais justement en parler. Euh, J'allais justement vous dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, euh, faire un don euh, en utilisant le QR code qu'il a, que je vais laisser afficher pendant toute cette émission, euh, des fois que vous voudriez euh, nous donner des sous euh, sur lessondiers.com slash Paypal, le, le, lessondier.com slash enfin, bref, slash soutien pour découvrir tous les moyens de soutenir cette chaîne euh, et faire une bonne action en soutenant. Euh, et ça va être le moment où je vais pouvoir parler un petit peu du concours, euh, puisque comme d'habitude d'habitude on gagne un, un mini fric v voilà alors ce soir c'est euh... alors la surprise est totale puisque on va gagner un mini fric v encore <laughs> donc euh, voilà c'est la surprise est totalement totale euh, et euh... donc vous pouvez voir qu'il y a 22 euh, moteurs audio des filtres modélisés dans le mini fric v qui est la version plugin du mini fric synthétiseur d'Arturia. et là vous avez un plugin qui reproduit euh, tout ce que fait le mini fric avec un petit séquenceur et tout et tout. Donc, pour pouvoir remporter le mini fric V, tant que je vais enlever le Discord, vous venez euh, dans le Discord, Lesondier.com slash Discord. Euh, vous pouvez euh, aller euh, checker euh, le règlement, la prendre par cœur et faire votre présentation voilà. dans, le, dans le salon présentation. Et là, euh, je suis certain que quelqu'un a fait sa présentation parce qu'elle fait toujours sa présentation. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Bach. Aucun lien ni avec l'intermittent ni avec les fleurs. <laughs> j'ai 49 ans depuis 7 ans j'habite à Pont-à-Mousson centre-ville que vous ne connaissez que par les bouches d'égout très bien je suis passionné par Catherine Lara les Bamides Interville période 91-95 on se vient tous de la finale fond Romeux axe les termes et oui bien sûr et le Brutal Gore Grind metal. je compte sortir un morceau en mai sur le thème des fougas aux olives Bienvenue <laughs> talent quand même. électronique avant-gardiste, je vous embrasse tous. Eh bien, merci Jean-Sébastien Bach euh, pour cette merveilleuse présentation. Euh, écoute, je, je, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça. Euh, et puis ensuite, vous pouvez aller dans le salon concours pour gagner euh, une licence mini-frig V. Euh, C'est parti, euh, on y va. On va se donner une petite heure. D'habitude, j'oublie tout le temps, mais là, comme il y a... Comme il y a Simon, je me suis dit, bon allez, euh, on y va, il va nous faire sa petite présentation comme d'habitude. Et je ne suis pas déçu. Je t'applaudis, bravo. Voilà. Hop. Très bien, très bien. Euh, vous avez été voir euh, quand même là le... le, 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 le petit... Euh... Hein Vous êtes que 20 à avoir cliqué, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible Vous êtes 279 dans le live. Donc euh, allez-y, cliquez, les slash Discord, vite, 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 vite. Voilà, il y a des emojis. Il euh... y a des emojis euh, aubergine. Euh, il y a des emojis euh, luxembourgeois. Il euh, y a deux emojis caca. Hein, on te voit Christophe et Max Trobing. On vous voit. Hein on vous voit. Il y a un emoji Windows 95. <laughs> Super. Ah ouais. Bah pourquoi pas. Parfait parfait. Merci beaucoup Arturia, pour le plugin. C'est cool. Ok. Euh, La suite tout de suite. Euh, euh, Kiviak, Romain. Bah t'as oui. retiré ton t'as retiré ton Apple Vision Pro. Tout à fait. On a envie ça de savoir du coup, parce qu'on s'est moqué un peu de toi, mais en vrai, on est, on est sympa. On voulait juste savoir, ça fait quoi du coup Ça fait chaud. <laughs> ça, ça fait mal au porte-monnaie, ça fait chaud. Ouais. Et du coup, tu l'utilises ou pas En vrai, là, je suis plutôt en phase euh, d'expérimentation. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, ouais. Et, et arriver, à, euh, arriver à le garder suffisamment de temps sans que ça, ce soit problématique. Donc, Contrairement à beaucoup d'autres trucs de VR que j'avais essayé, ça donne pas mal au crâne. Mais il y a quand même un petit phénomène d'enfermement, je trouve. Euh, le poids est quand même euh, pas négligeable. Ouais. Donc, au bout d'un moment, quand même, ça fatigue. Mais c'est surtout... Euh, quand tu l'utilises notamment avec des Airpods, il ouais. y a vraiment un phénomène euh, d'enfermement. Moi, franchement, au bout d'un moment, je suis un peu claustro. Et c'est uh, un peu compliqué. C'est-à-dire les yeux dans le casque, les oreilles dans les Airpods avec la réduction de bruit. Ouais. Voilà. mais sinon l'expérience c'est ouais c'est un peu ça mais sinon l'expérience elle est incroyable c'est à dire que le niveau euh, de réalisme en fait qu'il y a notamment en réalité augmentée ouais. c'est ouais, vraiment je pense que c'est très clairement le, le meilleur device en fait qui existe euh, sur le marché aujourd'hui mmh. il y a très peu d'applications c'est il y a vraiment très très peu d'applications il en sort jour après jour mmh. alors euh, dans plein de secteurs euh, différents le le animoc galaxy là Franchement, c'est vraiment rigolo. Je pense que c'est une des meilleures expériences ah oui. euh, autour de la musique avec le, le Vision Pro, c'est ça. Euh... C'est vraiment, euh, vraiment très chouette, c'est ça. C ce fait, tu disais là, que hein. c'est une expérience, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu, en f... que tu ferais de la musique avec. Non, aujourd'hui, je pense... Peu... Aujourd'hui, c'est un peu tôt, je pense. Enfin, en tout cas, pour mon usage, à moi, très clairement, non. Mais... Euh c'est vraiment très impressionnant par contre c'est le, ouais. le le truc de l'animog c'est c'est vraiment ultra impressionnant parce que là pour le coup t'es dans un, es en mode totalement immersif et ouais. euh, c'est étonnamment assez réactif euh, donc il y a un truc qui est assez cool c'est de pouvoir interagir sur le son directement avec tes mains donc ça c'est euh, et d'avoir le retour en fait euh, donc euh, ça c'est vraiment c'est Korg avec le gadget aussi qui ont fait un truc euh, ouais, en ils réalité ont... mais je crois pas que ça soit sur le Vision Pro je pense que c'est sur les casques normaux enfin c'était sur le MetaQuest. Le MetaQuest, ouais. Et Comme leur gadget. gadget. Ouais. Et il paraît donc, que c'est pas mal aussi, ça. Leur truc, c'était plus en mode euh, 3D, pas très réaliste, en fait. Là, ce qui est assez fou, en fait, avec le Vision Pro, c'est que tu mélanges des éléments de la réalité avec des ouais, éléments... Ouais, de... ouais. c'est vraiment cette feature-là que je trouve intéressante. Ouais, ok. Donc, euh, tu peux te faire un écran de 20 mètres de large euh, ça, devant toi. C'est Et... vraiment assez Je l'ai testé au bureau, notamment, où on ouais. a pas mal d'espace, en fait. Et ouais, j'avais ouais. un écran absolument gigantesque. Ouais. Donc ça c'est assez fou ouais. ok et tu peux changer la résolution de l'écran ou c'est la résolution de ton écran euh, juste euh, grandi tu peux pas changer la résolution mais par contre euh, tu as une résolution qui est suffisante pour l'avoir en grand format en tout cas as pas de la 4... je pense pas que tu t'es de la 4K je crois que c'est euh, une résolution euh, euh, fixe je, je ouais. l'ai pas entendue honnêtement ouais. mais, euh, mais c'est pas choquant, enfin, en tout ouais. cas moi ça m'a pas choqué pour l'utilisation euh, okay. que j'en ai eu jusqu'à présent en tout cas pour consommer du, con du contenu c'est super pour en produire, je sais pas, à, à continuer d'expérimenter. Mais il y a un truc qui fait très très envie, c'est que du putain, quand même, si je pouvais avoir un truc où je peux agir sur le son avec mes doigts, tu vois, genre, je sais pas, étirer des formes d'ondes, faire des trucs. Ouais. Ça donne envie quand même d'aller chercher des, des trucs comme ça. Ok, c'est cool. Et euh, tu portes des lunettes, alors comment ça s'est passé? une mission. Oui. En fait, euh, <laughs> une énorme mission. En gros, euh, le, le truc quand as des lunettes, c'est que tu ne peux pas t'en servir avec les lunettes, bien entendu. Donc, il faut soit avoir euh, des lentilles euh, classiques, euh, mais moi je ne les supporte pas. Ouais. Donc, euh, Apple a pensé à toi. Ils ont fait un partenariat avec euh, Zeiss en fait euh, optique. Okay. Donc, euh, quand tu commandes euh, ton Vision Pro, tu peux commander en plus un set euh, de lentilles, euh, euh, mais il faut une ordonnance. Et cette ordonnance-là, comme pour l'instant, évidemment. Ce n'est disponible qu'aux USA. Je suis sûr que ça marche très bien en France, ce genre de truc. Ouais. Les lentilles <laughs> se mettent sur le Vision Pro. Oui, elles sont magnétiques. En fait, elles se mettent sur les euh, elles sur sont... les optiques du Vision Pro, pas, pas. Ok. Et euh, ouais. donc, en gros, bah, tu un rendez-vous chez l'ophtalmo euh, aux US, et avec ta prescription, tu peux les commander. Et la ouais. somme de 150 dollars quand même, enfin 149. Ouais. ouais. Voilà. Mais donc, euh, disons que acheter un Vision Pro aujourd'hui euh, aux États-Unis, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Bon, il faut un compte Apple US, il faut une carte de crédit euh, américaine si possible. Et donc du coup pour avoir un compte, il, il te faut une adresse, il te faut euh, tout un tas de trucs. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le problème. Bah, euh... faut ouais, ouais bah. Et t'as pas eu de problème à avoir le rendez-vous chez Ophtalmo du coup Ça s'est bien passé, n'était pas comme non, en France. Euh, ouais. J'ai eu rendez-vous le lundi à 14h. Ok, bon. Voilà. C'est la vie. Moyennant 9000 dollars, 9500 dollars. Bah, cinq ah, dollars. Ouais. <laughs> On aurait pu me rembourser si j'avais acheté des lunettes euh, dans le magasin en question. Je vois. Bon. Voilà. Ah, tu sais voilà tout. Tout. Evan, Evan Gastel joue avec la lumière. Salut Evan Gastel, je sais que c'est toi, du coup. <laughs> euh, ouais, non, je voulais euh, aussi demander peut-être, Simon, toi, es, tu te sens utiliser ce genre de produit ou pas du tout alors, ça me fait triper. C'est ce genre de truc où, en fait, parce que j'ai un petit côté achat compulsif, moi, sur les, sur les nouvelles techs, parce que je trouve ça trop cool et tout. Ouais. Euh, je sais que je vais m'éclater deux jours et qu'après, je vais faire... Je suis pas un peu con d'avoir acheté ça à 4000 000 balles <laughs> euh, mais donc, donc, voilà, je sais que je vais m'éclater deux jours. Et après, en vrai, euh, je suis sûr que ça va être très bien, la VR, dans 10-15 ans, quand, euh, quand on aura réussi à réduire euh, le poids de, cette, de, de, de ces trucs-là, les fils, les machins, les tout ce Ouais, ouais. Euh, mais maintenant, non. Parce qu'en plus, en plus, le côté... Alors, mais je pense que ça se, comment dire, ça se euh, réparera ou ça s'améliorera avec les générations, de, les générations suivantes, celle de mon fils, celle de mon petit-fils, quand j'aurai un petit-fils, Inch'Allah. Il mmh. euh, le, n'y le, a, a pas de retour encore, tu vois, tu, tu restes dans le vide quand même, quoi. Ouais, ouais. Et ça, ouais. euh, bah, j'ai Je vais jouer avec le clavier comme ça. Ça, je peux te répondre. En fait, ils ont réussi un truc pas mal, par exemple, pour déverrouiller ton Vision Pro, quand tu te connectes en fait, dessus, bah, tu as un mot de passe à taper. Donc, tu as le clavier virtuel qui apparaît. Et Quand tu as le clavier virtuel, c'est un clavier pour d'autres usages aussi. Effectivement, tu n'as pas le retour au niveau du toucher. Par la contre, physique, en fait, ouais. le fait d'avoir la déformation en fait du clavier plus le bruit, bah déjà, c'est pas si mal en fait. Parce que tu arrives quand même alors au début, tu as du mal à évaluer la, la profondeur en fait, mais, mais en vrai, c'est pas si euh, déroutant que ça. Quoi. Mais par contre, tu n'as pas du tout le confort d'un clavier physique. Bah ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai, de toute façon, même avec un clavier tactile, même quand tu tapes sur un téléphone ou sur un iPad, en fait, ouais, en pareil. vrai, tu n'as pas, pas ce retour. Et, euh... et Mais tu... Pas... tu peux connecter un, je sais pas, un Magic Keyboard, un truc comme ça Ah, ouais, bien tu... sûr. D'accord, ok. Et tu bon. peux aussi euh, étendre en fait, ton Mac dans le Vision Pro pour avoir le, le moniteur étendu euh, du Mac dans le Vision Pro okay. et utiliser le, le clavier de ton laptop, par exemple. Mais euh, en vrai, le, 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 le clavi... quand tu utilises le clavier du laptop, c'est un peu chiant parce que si tu es en mode full immersif, tu vois pas tes doigts en fait. Donc euh, c'est, euh, enfin tu vois tes doigts ah, mais ouais. pas de clavier. Donc euh, c'est un peu, c'est un peu galère quoi. Ah, Il oui. ouais, y a un bien truc qui est génial par contre, c'est ce le système de, de sélection avec le, les yeux qu'ils ont mis au point. Mm. Ça, ça marche vraiment bien. J'y croyais pas une seule seconde. Ça marche vraiment bien. Donc tu choisis avec tes yeux, tu euh, valides avec tes doigts en faisant ça là, et pour de vrai ça marche. Ce qui est ouf, c'est qu'on sait, on, on, c'est très bizarre. On est, dans, on est quand même dans un monde où on est tiraillé entre euh, la vie, la virtualisation de tout, tu vois, et à la fois, euh, bah vas-y, fous-moi encore plus de potards, vas-y, les, les modulaires, etc. <laughs> c'est bah, euh, chois... À un moment, choisissez quoi. <laughs> bon, moi, c'est que modulaire tout ça. Mais après, euh, why not Non, mais en vrai, en vrai, en vrai, je suis sûr que je suis sûr que ça m'éclaterait mais mais deux, deux jours quoi. En fait, ce que tu as dit, tu vois, sur le côté. Euh... Je, je l'achèterai au bout de deux jours, je me dirais, euh, est-ce que je suis pas un peu con d'avoir lâché 4000 balles Ça dure pas deux jours, en fait. Ça va beaucoup plus vite que ça. Ah oui, oui. <laughs> c'est au, de au moment où tu sors de l'Apple Store. C'est au moment où tu sors de l'Apple Store avec ton sac. <rire> <rire> où tu as la notif sur ton appli de carte de crédit et tu vois le montant. tu fais... mm -hmm. et, et, oh, et, que, et que tu passes devant une affiche qui dit, euh, qui dit Kosamui à moins de 1500 euros les deux semaines. Tu <laughs> fais, Ouais putain, voilà, merde. <laughs> est-ce que c'est pas aussi un peu parce que. Euh... La, la, la barrière pour utiliser le produit elle est, elle est un peu haute enfin, en, en dehors du prix je veux dire mais tu sais euh, il faut le mettre sur ta tête machin c'est pas genre un iPad ou tu sais il est à côté de toi, tu, tu peux le regarder tu peux faire autre chose en même temps, le casque c'est vraiment euh... non mais ça pose un problème social en fait ouais. euh, j'ai envie de te dire c'est le degré d'acceptation sociale en fait de l'utilisation de ce genre de truc le, le cas d'usage c'est chez toi d'accord, quand tu regardes les vidéos de présentation d'Apple ils le mmh. présentent systématiquement avec des gens qui sont tout seuls donc déjà, es en famille. Déjà, tu es deux à l'époque. Parlons pas d'une famille, tu es juste T'es en couple. Donc tu es avec ton, ton conjoint et euh, tu es là, tu mets ton truc sur les yeux. Donc déjà, ça te coupe un petit peu, tu vois. De... Donc déjà, c'est bizarre. Tu vois, moi, je l'ai fait euh, dans mon plumard avec ma femme à côté. Non, mais ça, c'est pas normal. Napolina Pourquoi, aussi, euh, Pourquoi je comprends tu vois que, que je, je dire dire est est... Un petit peu, quoi. À quel moment c'est normal de se dire je vais au plumard et euh, avec ma femme à côté, que... euh, je, je que vais que mettre en fait, mon, mon Apple Vision Pro, quoi Mais j'ai fait des trucs bizarres avec, tu vois en fait J'ai voulu tester, tu vois. Je, je l'ai amené tous les jours avec moi au bureau la semaine dernière, par exemple. Et euh, pareil, tu vois, on travaille dans un open space euh, chez Kiviak. Bon, ça fait forcément le premier jour, ça fait marrer tout le monde. Tout le monde veut l'essayer. Ah, bah oui, je veux l'essayer. Je veux l'essayer. Ouais, le deuxième jour, les gens te regardent bizarrement. Le troisième jour, tout le monde en a rien à foutre. Donc, <laughs> Ça veut dire que potentiellement, dans un contexte professionnel, c'est acceptable. Tu vois ouais, contre... Sauf que si tu es, si es au bureau, euh, en train de travailler sur ton écran, et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de t'interrompre inter... ou de poser une question, il va te taper sur l'épaule. Ou... Là, si as non, vu chance, tu as le machin, tu le truc. Tu vois à Oui toi tu vois au travers mais lui il sait pas ce que tu es en train de regarder lui, en fait, donc il sait... en fait il ne sait en pas à quel point tu es concentré dans ton, dans ton boulot et il viendra pas te taper sur l'épaule il y a deux cas en fait euh, alors effectivement il ne sait pas exactement ce que tu fais mais il y a deux cas le cas où tu es en mode réalité augmentée et où donc il voit tes yeux sur l'écran et le okay. cas où en fait tu es en réalité virtuelle et il ne voit pas tes yeux il voit un, un espèce de, une espèce d'animation qui lui fait dire que tu pas là en fait ok donc shitty <laughs> Future, putain <laughs> mais par contre il y a un truc qui est ultra bizarre, c'est leur outil de FaceTime avec les euh, putain, j'ai plus le, le terme. Les, les avatars là. Ouais. Bon ça, c'est une catastrophe en fait. C'est c'est pas du tout. En fait c'est à la fois très réaliste pour un truc qui n'existe pas et très très flippant. Euh, moi sur le sur le mien, j'ai je ressemble à une photo qu'on met sur les pierres tombales en fait quoi. <laughs> Moi, c'est Sigi Romain. Quoi. Attends, attends, je vais, je... Ce que je crois que ça devait être la. C'est la remarque que je t'ai faite, je crois. Exactement, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit Sigi Romain. Attends, attends, bouge pas. <laughs> voilà, c'est ça. <laughs> c'est juste pas possible. Non, non, il y a un côté Jésus. T'es entre le space cosmique et, euh, c est c est et Raël. C'est Raël. Oh, oh, We are vache. in a mission for God. C'est ça. Oui, il va construire l'ambassade. Voilà. <laughs> Attends, Donc voilà. Monde, on est bougé par et <rire> <rire> Putain, c'est pas vrai. Ouais, Donc il y a un petit travail encore euh, chez, euh, chez Apple. Ça fait ça fait mais penser. Vrai... Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Non non mais euh, je vais je vais faire quoi non, En vrai, ça a du potentiel et euh, à mon avis ça va déboucher sur des trucs cool. Mais c'est un peu comme le premier iPhone. Quand tu regardes le premier iPhone aujourd'hui, tu fais mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et à l'époque, moi perso, j'ai fait la queue pendant. Euh, 5 heures dans le froid, tu vois, pour en acheter un et qui coûtait une fortune, et alors qu'aujourd'hui c'est absolument naturel, tu vois, donc je pense qu'on va y arriver, je ne sais pas à quelle échelle de temps mais on va y arriver. Par contre, c'est juste flippant pour la société que ça. Sauf que, que à, la, à la différence, j'imagine. Enfin, hein, c'est pas, pas, pas j'imagine. Je sais que quand l'iPhone est sorti, je me souviens que ça répondait à une demande d'un peu tout le monde. Ouais. Tout le monde se disait OK, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est euh, euh, pouvoir euh, répondre à mes mails, euh, écouter de la musique, jouer à quelques jeux, écouter, regarder mes, des films, etc. Ça répondait à une demande de tout le monde d'avoir un écran tactile réactif parce que, bah, à l'époque, voilà. Là, euh, est-ce que ça répond à une demande massive de gens non. non, pas sûr, mais c'est peut-être pas le voilà. Non, mais c'est niche pour l'instant. C'est ultra niche d'ailleurs. En termes de volume, ils en ont vendu 200 000 à peine. Donc ce serait fou, incroyable ouais. pour n'importe quel constructeur, mais pour ouais. Apple, 200 000, c'est pas ouf. Hein. Mais, 000, mais ça fait penser au tout premier magnétoscope qui coûtait aussi un bras. Il y avait très très peu de gens qui pouvaient se offrir, les offrir. Il a fallu vraiment que ça se démocratise pour qu'on pour qu y ait accès. Mais du pas coup, objectivement, s'il n'y avait pas un but quand même professionnel dans l'histoire, mmh. c'est-à-dire... Moi le but, euh, non, mais je... voilà, regarde, tu vois. <laughs> tu as dépensé 4000 balles et ton ouais, avatar ouais. c'est ça, ah, ça Ça, me... <rire> ça, ça <rire> me fait penser à... Je sais pas si vous connaissez cette chaîne Twitch, j'ai posté un lien sur le chat, cette chaîne Twitch uh, As Jesus. Et oui, oui. Un, <laughs> ça me fait penser à ça. C'est un peu ça, ouais. <laughs> bah, le pire c'est que l'avatar, il ne te ressemble pas totalement en plus. Je parle pas de Ask Jesus. Ouais, non, non. parce qu'en fait, euh, ils... quand ils prennent ton empreinte euh, de ta face, ouais. en fait, il faut enlever tes lunettes. Donc, du coup, après, ils te mettent des lunettes virtuelles. Et tu les rajoutes, ouais. Et, euh... et même, il y a des trucs dans les expressions. Mais ça s'améliore. Là, par exemple, il y a eu la version 1.1, je crois, de Vision OS, où ils ont rajouté euh, des... des expressions de visage, etc. Ça va s'améliorer. Mais ouais, je pense que pour l'instant, c'est niche. Le prix fait que c'est absolument débile. Je... je le dis vraiment, enfin, c'est... Moi, je l'ai acheté parce qu'il y a un but professionnel qui est de voir qu'est-ce qu'on peut développer avec ça, est-ce ouais, que ça bah, a un bien intérêt est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour des performances artistiques. Tu vois, c'était vraiment mm -hmm. dans ce but-là. Maintenant, te dire, ouais, dans les deux ans à venir, ça va devenir un produit de masse, mais à ce prix-là, c'est impossible. En fait. mmh. Tu sais, euh, des boîtes comme, comme Apple, comme Google, ils ont, ils ont un budget qui est, qui est colossal euh, pour faire de la recherche et développement et pour être capable de faire des. Comment on dit en français, un, un proof of concept euh, Une preuve euh... de concept. Preuve... D'accord, j'ai jamais <laughs> entendu quelqu'un dire ça. Euh... Euh, bah ça est, <laughs> faire une fait. preuve de concept, mais tu sais, en, en production, en vrai, quoi. C'est-à-dire que vraiment faire le produit et puis, et puis le vendre. Et puis, tu sais, fin, si ça fait un flop, fin, tu vois, ils en ont quand même vendu 200 000. Et, et je pense non. que derrière, tu vois, ils peuvent réutiliser… Il Voiture qui sortira jamais chez Apple. Hein. Et voilà, et donc la RD, tu vois, ils peuvent la réutiliser sur d'autres produits, sur d'autres trucs derrière, le code qu'ils ont utilisé. Donc tu sais, ça part pas complètement à perte, mais ils sont capables d'aller plus loin que ce que tu sais, le PowerPoint qui dit est-ce que c'est une bonne idée ou pas. c'est pas toujours bah, de... Apple. Google peut faire ça. Tu vois, Google peut tout à fait le faire. Ils l'ont fait d'ailleurs avec les Google Glass à l'époque. Mm -hmm. Et où, à mon sens, les Google Glass, tu vois, c'était un produit qui était carrément socialement plus acceptable comme ouais. vision pro. Et pour autant, ça a été un énorme flop. Oui, non, mais, mais après, il y a, après, y a aussi une grosse euh, différence de temps aussi, hein. c'était plus Après, moi, ce, que, ce qui est intéressant dans ce type de produit, c'est ce qu'on va pouvoir en faire, comme tu dis, Romain, euh, sur le plan artistique. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que, euh, un, on va pouvoir euh, avoir des, des visiteurs virtuels pour une performance live Est-ce qu'on va pouvoir euh, se construire le studio qu'on souhaite Alors, on n'a pas le retour haptique, on a déjà parlé dans une précédente émission, mais euh, le, le truc d'Animugle là, avec les, les boutons virtuels et tout, c'est vachement il, Mais pour une performance, artistique, hein. Quand tu vas dans des, euh, dans des expositions où tu as. Euh, je pense à un truc à, à Berlin là, qui s'appelle Dark Matter, où tu es dans un hangar entièrement ouais, noir. Ouais, 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 je ouais. me dis, pour faire ça en virtuel, tu peux le faire de chez toi. Et ça, c'est incroyable. Franchement, moi, je serais prêt à. Comment dirais-je Je trouverais ça pas choquant de payer, si tu veux, un, un certain montant pour accéder à, à une performance de ce type-là, voire des concerts live, parce que je pense que ça doit être vraiment immersif. Moi, le premier truc que j'ai fait, quasiment un des premiers trucs que j'ai fait, je me suis mis une vidéo de concert en mode full immersif dans la forêt. Ouais, mais voilà, c'est ça. Même une vidéo de 360, ça, ça, wow. ça doit être mortel, quoi, tu vois, les vidéos de mais 360. Mais là, c'est en consommateur, accélérer. pas en producteur. Effectivement, mais euh, tu vois, par exemple, Jean-Michel -Jean Jarre qui fait son machin Versailles 400, euh, bon, avec un truc français, la VR Room, euh, mais dans le concept, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que lui-même est en réalité virtuelle, c'est euh, spectateur... Sont eux-mêmes virtuellement présents dans la salle en réalité virtuelle. Et la musique était à deux doigts d'être un peu virtuelle aussi. Hein. <laughs> quel chacal! Non, bah, non, bah voilà, c'est bon, ça va. <laughs> Mais voilà, le... je pense que c'est vraiment ça qu'on a envie, euh, nous, ici, dans les sondiers. C'est ça qu'on a envie que ça fasse, quoi. Mais on n'y est pas encore. Loin Sauf de que... alors, je, euh, Pardon, hein, je sais, je, vous savez, vous savez, je suis un peu un vieux con. Euh... Pas du tout, Liane. Pas du tout. Non, pas du, une vieille icône, ouais, pardon. <laughs> euh, mais euh, est-ce que ce serait pas la sensation du son fort qui tape un peu sur le, sur le corps qu'on cherche quand on va voir un concert euh, oui, Ce pas sûr. la sensation physique du son, déjà d'être avec des gens, évidemment, mais de la, de la sensation physique du son... Si c'est pour entendre un truc dans mes oreilles, euh, yes, mais... On ouais. va le ressentir physiquement aussi. Ouais. C'est vrai. Mais tu as le Woodger maintenant, tu sais. Ah <laughs> oui, on m'a envoyé le... un truc comme ça il y a, il y a ouais. genre deux ans. J'ai essayé un peu. <laughs> on, non, avait, mais... on avait essayé... Non, non. Euh... Mais, mais, littéralement, c'est en fait, en fait... Ce genre de truc, c'est ça, en fait. C'est ça que t'as là, quoi. Tu te fous, tu te fous ça ici, <laughs> c'est la même chose. Hein. <laughs> voilà. euh, Knarf, tu te souviens, où NAM, on avait essayé une espèce... On se mettait sur une plaque euh, ça. Qui, qui, qui faisait re, re, remonter les vibrations Et par le c'était pas un corps. siège de batteur ou un truc comme ça C'était pas un Quelque truc pour un, comme un ça, siège de ouais, batteur Quelque chose comme ça, oui, qui permettait de ressentir... Alors, les, les, les sièges de batteur, j'ai vu ça des... des... Sur des, sur des. En fait, un making-of d'un concert où ils mettaient des. C'était pas des haut-parleurs, c'était des, des, des systèmes des qui faisaient vibrer le, le piédestal sur lequel était la batterie, ouais. de manière à ce que le, le batteur ressente physiquement ce qu'il qu était en train de jouer. C'est ça. En résumé, tout ça. Pour, euh, pour éviter ça. de croiser des gens, en fait. Oui, <laughs> ouais, c'est un peu mais ça. Mais en ah, fait, le ce truc, c'est qu'une fois que ce sera un plug qu'on va pouvoir se, se mettre directement dans le rachis ah, et qu'on aura ça, les sensations physiques, peur. etc., on sera de dans de la, la, la matrice, ce, ce le sera plug, génial. <laughs> Ah, oui, dans, dans le rachis, oui. Très, très, très important que ce soit à cet endroit et pas ailleurs. Mais euh, oui, tout à fait. <laughs> Les, enfants. <laughs> Les enfants. Les enfants. Vous riez beaucoup, je sais. Euh, très bien. Alors, passons tout de suite à un autre sujet. Parce que, bon, on va pas parler mille ans de l'Apple Vision Pro. Mais je trouvais intéressant que Romain nous parle un peu de son expérience. Alors, côté musique, euh, bon, on est encore loin du compte. Mais bon, on espère que prochainement, on aura de quoi faire. Moi, j'attends moi, le, le, le super studio, tu sais, ou le multi-écran. Euh, pour la station de travail, pour Ableton ou euh, je sais pas quoi. Tu vois, avoir euh, le casque et puis pouvoir bosser avec à gauche, à droite des trucs, des, des fenêtres de plug et tout, moi, ça serait le kiff total, ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça que j'aime. Ce que tu peux faire avec des écrans, en fait. Ouais, mais et il faut, il faut, écran, place, pas, il faut il les fait. écrans, mais là, tu te et mets pas dans c'est pareil, tu vois, tu, tu peux, tu et peux puis, faire pareil. Et puis là, tu peux imaginer un truc avec un clavier MIDI, ton Vision Pro, tu vois, donc euh, tu mets ça dans ta valise, tu l'as n'importe où, en fait. Quoi. Et exactement. Et as ton Mais pourquoi est-ce que tirer quelque part alors que tu as ton Vision Pro le vision Pro, il y a un ordi Alors, aussi, il faut ton ordi avec. Non, non, il y a un ordi, il y a un processeur M2 en fait. Okay, okay. <laughs> ouais, mais tu peux le coupler à ton Mac aussi, enfin bref. Ouais. Okay. Whatever, euh, passons tout de suite à, à autre chose. Euh, ah oui, vous savez qu'Ableton a sorti euh, Live 12 euh, déjà il y, a, il y a quelques temps, il avait été annoncé je crois en novembre, il est sorti là, début mars. Ah, beaucoup de gens se sont euh, précipités pour, pour l'acheter et il y a plusieurs trucs nouveaux dans, euh, dans Live 12 Et notamment il y a tout un aspect lié euh, à ce qu'on appelle les tempéraments, les, les nouveaux euh, les nouveaux accordages Enfin c'est pas nouveau mais la, la possibilité pardon de se, de se mettre sur des accordages différents du tempérament classique euh, Qu'on connaît tous, La Fasol, Lacido Alors ils ont sorti un site du coup euh, qui est pas mal foutu, qui s'appelle Ableton Tuning. Euh, je vous partage ça. Donc Avec euh, des petits néons en bas de caisse. Tuning.ableton.com, ouais, <laughs> <laughs> c'est ça exactement. Des néons bleus, et verts. <laughs> c'est ça. Donc c'est pas pour tuner sa bagnole, comme Liane Folly, mais non, c'est vraiment pour comprendre l'accordage euh, dans Ableton. Alors je crois pas que ait... j'ai pas vu de version française pour l'instant, mais euh, voilà, tuning.ableton.com, et ça vous explique en fait euh, comment fonctionnent euh, les différents modes d'accordage. Alors par exemple, si je fais... Euh... Voilà, donc ça, c'est l'accordage euh, Equal Temperament, donc euh, le truc un peu classique qu'on connaît tous. La vie de piano, quoi. Et là, c'est Rast, plutôt Égypte et Syrie. Ok, et là... Commercial septimal. Bon, ben moi je les connais pas hein, ceux-là. Et là vous avez un 24 euh, 24 step. Voilà bref, bon, enfin, vous, vous irez voir, mais euh, ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne avec le 12 12 tone, equal tempérament, le rast, etc. On peut, on peut tester tout ça et ensuite euh, il vous explique comment euh, fonctionne le site et vous pouvez faire tout un tas de trucs. Euh, on peut accéder, avec le micro, on peut accéder au, au browser, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé par savoir comment ça fonctionne, ces trucs-là, bah allez y sur tuning.ableton.com, c'est gratos, il hein. n'y a pas de... Pas, mais il euh, y, y, y a un des mecs chez Ableton qui s'est mis au doudouk ou enfin qu'est-ce qui... C'est qu -ce, pas nouveau, quoi. C'est ouais. pas nouveau, mais c'est nouveau, nouveau dans Ableton. Alors, oui, dans le chat, j'ai vu qu'ils sont à la bourre, FL ça existe depuis 1000 ans, ok. Bon, parfait. Euh, après, on va pas se, on va pas se mettre à gueuler parce qu'ils implémentent quelque chose. Enfin, tu vois. Écoute, je ce que, moi, ce que j'aime bien, par contre, dans leur façon de faire, c'est pas la première fois qu'ils font, c'est qu'ils font un site qui est, qui est éducatif, qui ouais, est accessible à tout le monde, et tu vois, tu peux apprendre même si tu n'as pas Ableton. Ça, je trouve ouais. ça cool. Ouais. Ouais. ouais ça, c'est vrai. vrai. Moi, j'ai euh... une question, en fait, mais il y a vraiment un... un public, en fait, pour ça. Parce que, je... évidemment, je sais que ça existe depuis un, bah, un les... 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 J'ai écouté Ableton. Bah, les cas de que ton, que, ouais, les, oui. ou les commas entre le, les dièses ouais. et les bémols qu'on qu a sur un piano, mais qu'on qu n'a pas sur un violon ou sur certains instruments. Bah puis les, Syri les Syriens, les qui utilisent Ableton, enfin, ouais, euh, C'est con, mais il y en a. Non, mais ah, voilà. il y, y a probablement plus d'utilisateurs de, de. Je vais dire un truc qui va, va peut-être énerver. Il y a probablement plus d'utilisateurs d'instruments à tempérament comme ça que de gens qui font du modulaire peut-être. C'est très possible. Ouais. Euh, Sachant à... qu'avec du modulaire, tu peux t'accorder tu peux comme tu veux. Tu changes juste Et ça budget. peut servir aux gens qui font du modulaire, peut-être. <laughs> ouais, bon. mais si tu veux être dans des, dans des tempéraments un peu spécifiques pour avoir un son un peu nord-africain, par exemple, ouais. tu vois, ouais. franchement, c'est difficile. Avant ça, c'est quand même assez difficile. Tu as ouais, toujours des sûr, moyens de, de tweaker le truc, mais enfin là, au moins, tu as quelque chose de, de clean qui te permet de le faire beaucoup plus facilement. En fait, je suis très surpris qu'ils aient investi autant de... Enfin, autant d'argent, j'imagine, parce que ça a dû coûter quand même un, un certain ah bah prix, ce oui, plus le site, sous, ouais. etc. Sur ouais. un truc aussi niche, alors c'est. Mais, mais, mais peut-être que je bah, fais fausse route. Je sais pas si c'est niche. Euh, je sais pas si c'est si y niche que ça... avec un Apple Vision Pro <laughs> sur les... Sur les... <rire> <rire> oui, Oui, non, mais. Si tu veux, là, le, le coût de développement euh, du voilà. gardier, là chez Ableton, il doit être euh, conséquent. Donc, euh, euh... Mais tu as peut-être raison, en fait, c'est peut-être un problème de région du monde dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que bah oui. cette peut-être niche en Europe, mais euh, en fait, l'Europe, c'est... Mais c'est ça, c'est-à-dire que, effectivement, dans la culture occidentale, tu te dis... Parce que la euh, est bien, en fait. Un à part pour faire de l'appropriation culturelle, on s'en fout. Euh, mais euh, sinon globalement il euh, y a tout un tas de gens qui font de la musique euh, différemment, tu vois en Inde ils ouais, font de la Inde musique en différemment Afrique, euh, en Afrique des... ils font de la des... musique des... différemment des et, tout, et ces gens là bah, potentiellement c'est des clients donc en fait qu'est-ce qu'ils font là-dedans effectivement ils investissent lourdement mais derrière ils espèrent sans doute récupérer pas mal de clients tu non, vois, mais rien gens... en fait, j'avais pas réfléchi mais rien que la musique indienne il y a des quarts de temps euh... bah ouais c'est ça en fait, énorme, en fait, comme bah que... oui tu imagines que jusqu'à présent les indiens ils regardaient Ableton ils disaient est-ce qu'il y a des quarts de temps, ils disaient non, bon bah next tu vois donc là, bah, ça peut justifier que tu investisses un certain, euh, un certain... Mais rien euh... que le marché indien, ça le justifie. Euh, donc, euh... Ouais. Et ils ont quand même attendu jusqu'à live 12 pour le faire, mine voilà. bah, oui, de rien. Voilà. C'est-à-dire que... Tu vas être quand même. 11 versions. N'oubliez pas ça, les Indiens. Pendant 11 versions, ils n'en ont rien eu à foutre de vous. Les petits Indiens. Comme on dit chez, euh... <laughs> 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 chez Hippopotamus. Non, je suis chez Guy. C'est Grill. Grill, ouais, bon, voilà. <rires> <rires> tu <rires> sais, moi, les États-Unis. Hein. <laughs> <laughs> ok, alors ça, c'était pour Ableton. Euh, alors, il y a aussi d'autres trucs, bien sûr. Euh, je vais euh, tout de suite euh, vous parler d'un truc super cool. Et je sens que ça va plaire à Romain. Et que ça va certainement plaire également à Liane Folie. Euh, quand vous aviez des synthés avant, euh, notamment Korg, mais ça existe aussi chez Roland, vous avez peut-être acheté des cartes mémoire, voilà, des petites cartes, des petites cartes des, de patchs, de sons. Euh, et donc euh, plus ça avance dans le temps Plus peut-être vous collectionniez ces cartes Et vous dites ouais j'ai la carte vintage Ouais j'ai la carte orchestrale J'ai la carte ceci, j'ai la carte cela Et en fait il y a des tonnes de cartes Et au bout d'un moment ça coûte effectivement un peu cher à acheter Et bien figurez-vous que Il y a une société euh, Qui euh, vient d'annoncer un, Une petite carte euh, euh, Qui est en fait Une carte euh, Qui permet justement d'avoir toutes les cartes dans une carte euh, pour mettre ta, ta carte bancaire dans l'appareil, c'est ça Ouais, tu mets d'abord ta carte bancaire sur le site internet et après tu reçois une autre carte, un autre type de carte. Donc en fait, quand on regarde un peu le truc, euh, ça ressemble à une espèce de... Alors le bas, c'est le bas d'une carte corg Et le haut, c'est un espèce d'écran avec euh, quatre petits boutons. Et puis, ça contient, tenez-vous bien, 126 cartes mémoire au maximum. 126 banques. C'est-à-dire que la capacité totale, c'est 126 banques de cartes. Euh, alors, il y a des banques pour M1, il y a des banques pour WaveStation, il euh, y a des banques pour euh, tous les, tous les, les synthés euh, Korg. Et quand on achète le truc, il y a des banques qui sont préchargées dedans. Il y en a 73, euh, dont 57 qui viennent des ROMs euh, de chez Korg, euh, donc des, 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 des ROMs officiels qui étaient les, les sons des, des synthés de l'époque. Et vous pouvez charger bah, des trucs additionnels dedans, jusqu'à 126 banques, euh, donc c'est assez cool et c'est relativement compatible avec à peu près tout puisque c'est compatible avec le M1, le M1X, le M1R, enfin tous les M1, le T1, le Wave Station, le DS8 et le A1. Et euh, vous pouvez donc comme ça euh, stocker des, des banques PCM, des programmes, des combis, euh, tout un tas de choses et puis des, euh, des trucs pour le Wave Station aussi. C'est cool ou pas Alors le... ça coûte 269 euros. Quand ouais. même. Ouais. Mais t'as as plein de banques, tu vois ce que je veux dire déjà dedans. Ouais, bah bon, sûr. Je, je vous le mets. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on met la carte Mais dans son C'est sous licence Korg Bah oui, j'imagine, enfin je pense. Bah, J'en sais rien en vérité. <laughs> c'est une très bonne question. J'en sais rien. J'espère que oui. Mais euh, voilà, c'est moins cher qu'un casque, c'est surtout moins cher. Que ne serait-ce que les 73 cartes si vous aviez à les acheter parce que là pour se les procurer maintenant c'est euh, euh, c'est ebay hein, euh, voilà ou reverb euh, mais euh, c'est pas facile de se procurer ça alors vous voyez que ça dépasse un petit peu euh, et puis vous avez une espèce d'écran dans lequel vous pouvez aller euh, mettre vos 126 banques avec des boutons touchpad pour switcher euh, dans les différentes banques un écran oled 128 par 128 euh, bon après l'écran il s'adapte en fonction de la rotation et tout. Enfin c'est... Je trouvais l'idée assez cool. Je me dis bon c'est bien pour Korg. Maintenant j'aimerais bien que ça existe aussi pour euh, Roland. J'espère Je... que ça va exister pour, pour Roland. Parce que j'ai pas mal de cartes euh, Roland aussi pour euh, JV81 euh, ou euh, JD 990. Euh, ouais, des... Il y a pas mal de formats, euh, différents types de cartes. Mais donc, cette carte-là, elle est compatible avec des, des synthés qui sont très très, très récents sur le, sur le marché, c'est ça Non, pas très récents, c'est les synthés que je t'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le, euh, le M1, tous les, tous les M1, tous les formats non, les va, M1. Ah ça va, le M1, M1 c'est sorti il y a quoi Il y, y a 36 ans, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Voilà. Euh, voilà. Ça, ça existe pour Roland, me dit Toon Spirit. Ok, bah, euh, fabuleux, fabuleux. C'est une émission niche, hein, quand même, hein bah je sais pas je sais pas il y a plein de gens qui ont des synthés euh, ça, le M1 est un des synthés Et qui s'est le mieux vendu au monde donc euh... en plus ouais c'est clair attends 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 <laughs> <de> quoi, attends, <laughs> attends attends, attends. attends c'est quoi c'est celle-là voilà non, parfait, non, non, parfait. Non, le mec il collecte ça des pas. cartes mémoires écoute tout ça pour dire que hein euh, les boîtes qui font des cartes mémoires pour stocker des trucs tu vois il faut pas leur taper dessus hein, parce que c'est cool <laughs> Il faut, souffler, <laughs> il faut souffler dessus ah, comme, ah, bah, les, comme sur les, les anciennes consoles. Là, pour là, mais, mais, mais le pire, mais le pire, c'est que moi, je ah, mais attends, mais là, attends, si attends le pire de tout. Que... Attendez, excusez-moi parce que j'avais même pas vu, mais en fait, j'ai vu qu'ils avaient annoncé le... Mais il y a là, ça existe aussi pour DX7. Regardez, c'est ouf, ça. Je savais pas, j'avais même pas été voir les autres produits. c'est un truc de dingue. Ouais, et, mais... et Roland D50 aussi, regardez. Le DX7, ah, c'est un, hein. un produit mineur. 50 un produit mineur. Et franchement, tu vois, les cartes D50. Attends, t'as une carte D50? carte des 50. OK, celle-là en plus, tu vois, not for sale. C'est une série spéciale. Ouais. Oh okay. là Celle là. Celle-là, ça c'est une carte à main. OK, pareil, c'est sorti au Japon, je crois pas que ça a été euh, exporté. Bon, et ça c'est juste une carte euh, DX, une carte okay, DX7. Bien. Mais ouais. je comprends enfin, tu pas tu, tu trouves ça où à la brocante ou euh, qu'est-ce qui se passe euh... Alors euh, oui, à la brocante mais au Japon. <rire> <rire> moi j'ai un grave. gros problème de, de collectionnit, en fait. D'accord. Mais euh, <rire> <rire> si tu veux c'est c'est pensant que c'était cool, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça sur, euh, chez nous, par exemple, sur le Wofi. On a ouais. des cartes mémoire, mais uh, visiblement, c'est un avis qui n'est pas partagé par tous. Non, mais t'inquiète, dans 20 ans. Dans 20 ans, dans 20 ans, dans ans, ça sera vintage, ça sera cool. Attends, attends, ça. parce que... Attends, 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 parce que je te, je te partage un truc. Ah. Hmm. <laughs> joli, joli. Pas mal, pas mal. Okay. Cool, je... Merci, Roran Quan pour, pour le dessin, c'est cool. Euh, ouais... Euh... En vrai, Donc, ça si sert vous... à rien, les... quand je le dise les cartes, elles servent à que dalle. Tu, mets, tu prends des 6x, tu tu de tes librairies, merci, au revoir. T'en as pas besoin, t'en as juste envie. Tu vois, et euh, oui. le côté qui est cool, c'est le côté instantané. T'es pas obligé de prendre ton éditeur, l'audit des ouais. x attendre. Tu vois, c'est juste ça, en ouais. fait ouais ouais ouais, 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 ouais. Après, honnêtement, le... Le... leur produit, il a l'air vraiment super cool. Le... Le... le petit écran OLED et tout, il a l'air euh, vraiment sympa. Bah ouais, carrément. Bah, moi, c'est pas impossible que j'en commande une, quoi. Bah, <laughs> T'es vraiment un geek euh, parce que franchement c'est assez reste. classe. Euh, moi j'aime bien le j'aime bien le truc, euh, j'aime bien le concept et puis voilà effectivement je découvre qu'ils en ont déjà fait plein d'autres. Il y a des euh, cartes donc, pour le cuviac Pour des il y a pas il y a des cartes pour le Wofi oui mais ils les font pas encore parce qu'il y a pas Ça encore assez de banque avec. Ça arrive bientôt. <laughs> voilà donc la carte pour pour des 50 la carte pour dx5 dx1 la carte pour euh, pourquoi ça c'est pourquoi ça M1, M1. c'est pour M1 voilà OK donc voilà vous pouvez en avoir plein OK allez-y euh, précipitez-vous applause stop 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 écoute c'est original et c'est autre chose qu'une euh, énième réédition du euh, tu as du mini moog modèle D en plugin en javascript dans ton navigateur ouais. enfin, tu vois, et ça voilà. fait du mal à personne quoi c'est ça cool. alors moi, j'ai récupéré euh, plein de sons comme ça en, en six quoi, comme tu disais Romain. C'est-à-dire que, à, à une époque, euh, je, je récupérais des tonnes de sons, j'en faisais, et j'avais même fait en fait un fichier midi. Je ne sais pas si vous avez connu ça. J'avais fait un, un projet sous forme de fichier midi dans Cubase, et, et j'avais euh, storé dans une piste midi tous mes sons. Tu sais, j'avais fait euh, Plusieurs clips comme ça, les uns derrière les autres. Et puis il y avait des marqueurs. Et puis j'avais un petit classeur où euh, j'avais euh, <laughs> la position exacte des sons. Ça me faisait une espèce de banque de données en quelque sorte. Et puis je posais ma tête de lecture au bon endroit. J'ouvrais mon petit classeur. Je disais, ah, j'ai besoin du son machin. Il est où Quand j'avais plus sur ma, sur, dans ma mémoire, j'allais euh, checker mon petit classeur. Et puis je faisais lecture et ça envoyait le son dans la mémoire. Et puis je pouvais le storez directement. Mais les ex, c'est la vie hein, en vrai. Ouais. Parce Vous avez que, fait ça aussi Non, mais moi j'ai fait un truc. Il y a pas très très longtemps, il y a un mois, j'ai un rack d'effets, un truc de guitare là, qui est derrière moi, le, le truc orange, là, le GX 700 qui, qui est juste là. Bon bref, ouais. un truc que j'ai depuis 1996 ou 97. Le précédent a rendu la main. Ouais. Il marchait plus, euh, etc. Donc j'en commande un euh, sur euh, Reverb et euh, j'étais ravi d'avoir ma petite sauvegarde 6X et remettre euh, bah ouais. mes presets à l'intérieur quoi. Bah, clairement. Et franchement, ça, ça a trop bien marché. J'étais en. Le... Je l'ai déraqué, donc 4 vis, hein. je l'ai re-raqué, j'ai loadé mes 6 ex, ça a dû prendre 5 minutes euh, maximum, j'étais refait quoi. Ouais. Mais c'est euh... euh, presque pas une blague ma question, c'est comment vous faites pour stocker vos presets quoi Simon, comment tu fais pour stocker as, Parce que t'as bien des, des synthés à presets toi. Ouais, je ne les stocke pas, j'aime bien les trucs destructifs moi, tu sais que non, j'aime bien, je m'en fous en fait de garder mes sons. Ok. Voilà j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup repartir d'une feuille blanche à chaque fois que je j'allume mes synthés en tout cas quand euh, quand il euh, n'y a quand y a pas de sauvegarde possible mais s'il y avait après... une plateforme euh, qui te permettait de, de sauvegarder tes <laughs> presets en ligne les partager <rire> <rire> Tu veux dire. Euh... Ah, bah je sais pas, moi j'aime vraiment ça, j'aime vraiment le côté. Euh, euh, tu, tu vois, je, sur le One par exemple, c'est ce que je fais, quoi. Je me mets toujours sur euh, le truc de base, puis ensuite je vais explorer ce que je peux faire avec. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir des trucs comme ça, ça m'apprend le synthé en fait, de, de, ouais, ouais. De, 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 de repartir de zéro à chaque fois. Ouais. Puis, puis j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien, moi. Mais tu après. Vois je... Il y a des gens qui font de l'anxiété et puis il y a des gens qui, qui sont confortables avec repartir de zéro. Quoi, Alors, il ouais. y a aussi, y a aussi de ce qui est mon cas, c'est des gens qui font les deux. <laughs> l'anxiété <Voilà. C 'est rire> en partant de zéro. Bon, ça. Euh, Romain, euh, question, pourquoi est-ce que tu es retourné racheter un, un Boss euh, GX700 Pourquoi tu n'as pas pris un Eleven Rack ou autre, enfin, un truc qui se fait maintenant Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est le son dégueulasse du GX700, c'est-à-dire que si tu veux, j'ai plein d'autres trucs. Hein. J'ai du Two Notes, j'ai plein d'autres trucs. Mm -hmm. Mais ce que j'aime dans le GX700, c'est le son très froid. Ce côté euh, tronçonneuse, en fait. Euh, tu vois. <laughs> fin de Metal Zone, euh, beat crushé, quoi. On l'a tous eu, celle-là, à la fin des années 90, hein, quand on faisait des trucs un peu à la Deftones. On avait tous ça, en fait. Voilà, je me souviens très bien. Et, euh, je suis très, très fan euh, du son très, très froid du GX700. GX mais j'y passe plein d'autres trucs que la guitare, non D'accord. Oh, J'étais curieux parce qu'il y a. Plein de trucs qui se font, ah sont supportés. Mais euh... pour, si tu veux un truc qui ressemble à un, an, à un vrai ampli, c'est une brave merde. Hein, on, euh, <laughs> on, on est bien d'accord. <laughs> bon, bon, en tout cas, euh, bon, sur les plugins, on n'a pas ce problème de preset, Mais moi, je me dis, aujourd'hui, on fait beaucoup de prod avec des plugins. mais C'est quand... pire sur les plugins. Sur les plugins, tu as, de as des problèmes de version. Ah oui, oui c'est vrai, c'est tu as raison. Ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que quand tu as fou. fait une prod il y a 20 ans avec un plugin qui n'existe plus. Comment tu fais ouais. Là, Tu fais pas Ouais, alors que ouais. ton GX700, il sort en, euh, je sais pas, en jack, en XLR, en je sais pas quoi, tu vois, je regarde les connectés derrière, tu vois. Il y a des gens qui archivent d'ailleurs j'ai vu ça l'autre fois, une sorte d'archive de, de tous les plugins, euh, tu vois, euh, end of life. Putain, il faudrait que je retrouve ça. Les mecs qui sont amusés à vraiment sauvegarder tout ce qui existe en fait en matière de plugins et toutes les versions. C'est-à-dire que tu veux une version euh, d'un plugin de 1998, ils l'ont. C'est pas mal. Euh... Mais je trouve ça vachement bien. Mais c'est un sujet, c'est vrai, on en a parlé plein de fois, euh, l'obsolescence des logiciels avec les OS, tout ça. Mais en tout cas, quand à l'OS et le plugin qui, qui sont là, c'est normalement, c'est sauvé dans ton projet. Regarde, comme Jean-Michel Jarre, un laptop par projet <laughs> et il euh, y a pas de problème, tu vois. Non, mais par contre, euh, je me dis, Simon, quand, quand tu as fait ton EP là, ouais. et que tu as fait plein de sons de synthé et tout, si tu veux faire un autre. Euh, une autre version, un autre mix, tu recharges pas les sons, tu les tu commites en audio, c'est ça Alors, tu... alors, alors, ouais, alors, oui, quasiment tout le temps. Je viens de Pro Tools, moi, à la base. Euh, ouais. Et, euh, et en fait, j'ai compris qu'après, qu on pouvait utiliser du MIDI pour avoir euh, des trucs qu'on pouvait boucher. <laughs> euh, du coup, oui, moi, ouais, je, suis, je suis, du genre à... Mais tu m'as vu bosser en plus. Moi, quand je fais par exemple de toutes mes drums, j'ai, j'ai pas de drum rack dans Ableton. Moi, c'est des fichiers audio, quoi. Tu vois Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, 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 voilà. J'aime ça. J'aime, le côté. Alors après, évidemment, hein, quand je vais faire du live, j'ai quand même des synthés à live ou des synthés à live que je peux, dans lesquels je store mes presets, évidemment, pour <laughs> pas me faire chier 6 heures avant le début du concert. <laughs> après, il y a un nouveau morceau. Voilà, exactement. <laughs> voilà. Non, non, ça. mais je trouve que pour l'inspiration, c'est, cool de repartir de zéro. Après, ouais. euh... Tout, tout, le monde a, voilà, tout le monde a son king Exactement Bon alors écoute tu sais quoi C'est le moment pour moi euh, de te parler d'un plugin Dont on va parler dans un instant Mais dont on va surtout parler en tant que sponsor C'est euh, Baby Audio euh, puisque comme vous savez ils ont sorti euh, Atom's il y a quelques temps mais ils ont surtout sorti et j'ai pas la vidéo euh, de promotion parce qu'elle n'existe pas parce qu'ils ont sorti un tuto mais ils ont sorti le BA1 aussi euh, version 1.5 On va en parler dans un instant En tout cas là ce que je suis en train de vous passer c'est le Atoms dont j'ai fait une vidéo euh, qui est euh, un plugin euh, à modélisation physique qui est à base de système masse ressort pour faire des sons de cordes frottées. C'est vachement bien, je vous invite à aller voir ma vidéo. Et puis je vous rappelle qu'aussi vous pouvez avoir moins 15% avec euh, le code SONDIER sur lessondiers.com/slash baby audio. N'hésitez pas à y aller euh, pour euh, motiver baby audio à continuer d'être euh, notre sponsor, parce que c'est vachement important. Voilà, voilà. Et euh, du coup, merci baby audio. Et puis allez voir Atom sur lessondiers.com/slash baby audio. Magnifique Atomes et euh, ils ont sorti euh, donc le BA1 euh, version 1.5 et ce qui est euh, intéressant dans le BA1 version 1.5 c'est qu'ils ont ajouté des fonctionnalités mais ils ont surtout ajouté un espèce de module d'effet euh, dont je vais vous parler dans une petite seconde. Euh, c'est ici, voilà, donc ça c'est le BA1, bon, vous savez c'est cool. Euh, mais euh, maintenant il y a un nouveau truc euh, qui est le BA1 FX Strip, ce qui vous permet d'avoir le plugin d'effet BA1, donc qui va euh, comprendre le drive, le filtre, euh, le machin tone, là pour essayer de faire dark ou bright. Euh, le delay, la reverb, le chorus euh, et puis un module d'output et vous pouvez même utiliser le petit speaker qui existait déjà sur le synthé ce qui veut dire que vous pouvez passer maintenant euh, votre euh, audio au travers de ce truc là euh, et c'est inclus avec le BA1 version 1.5 c'est dommage euh, ils ont pas euh, mis le truc de la batterie euh, faible la... oui, c'est ah ouais, vrai moi j'aurais l'utiliser sur d'autres choses c'est vrai qu'il y a ça, euh, batterie faible effectivement ce bouton là qu'on qu'on a dans, dans le BA1, c'est vrai, c'est dommage. Euh, alors, euh, ce qu'il y a de nouveau sinon dans la version 1.5, euh, qui est gratuite pour tous les possesseurs de, de BA1, donc le fameux FX Trip, comme euh, je vous ai dit, il euh, y a un arpégiateur en plus, il euh, y a des paramètres supplémentaires sur le chorus, euh, et puis il y a un easter egg pour pouvoir faire euh, des trucs avec le LFO. Il euh, y a un nouveau browser, donc ils ont en fait mis le browser de Atoms euh, à l'intérieur du BA1, hein, si vous vous rappelez, je vous ai montré ça dans ma vidéo. Et puis il un nouveau thème noir, parce que c'est la mode en noir, comme vous savez, tout le monde fait des trucs noirs en ce moment. Euh, alors, Update ba 1.5, vous avez euh, le prestataire par défaut, que vous connaissez, il s'appelle Alex. Romain, il le connaît bien, je crois. <laughs> <laughs> C'est ce gars-là. Voilà, donc si vous vous êtes intéressé par euh, les nouveautés sur le BA1 1.5, vous pouvez I aller checker cette vidéo. Je vous la mets dans le chat. C'est la recréation d'un Saint Casio. C'est assez cool. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Je vous invite à aller la regarder à nouveau si vous l'avez pas vu uh, Ou la regarder. Oh, un Wofi Un Wofi BA1 FX Strip lets In the crunchy, lo character of the ah, le lo-fi, 1980s home studio rack effects across all your tracks. Voilà bon, effectivement peut-être dans une version euh, suivante ils mettront le, le machin batterie faible. Là on entend les effets. Nice. nice. Low Boost or cut the bass and treble with the tone controls. Dark or bright. It's not too bad, reminiscent of the early days of digital delay, synced of unsynced, and reverb with a room size, based on the grainy early digital reverb units. Ouais. Ended a with a classic 1980s effect, the adjustable chorus that the modulation chorus that a C'est bien Scorus, c'est bien. Voilà, bref, allez voir euh, sur le site de Baby Audio, euh, je ne vais pas vous passer toute la, toute la vidéo, il y, a là, il y en a un pour euh, quatre minutes, plus de 4 minutes, euh, des nouvelles fonctions et c'est cool. Bravo, merci Baby Audio. <laughs> qui c'est qui utilise le Baby Audio BA1 Tu, tu l'as Ouais, Simon. Ah oui, un peu. Ouais, 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 je, je le trouve très fait. bien. Franchement, je, je, voilà, c'est euh, mon petit. En fait, je l'utilise un peu comme un SH1 parce que, alors, euh, voilà, parce que ce, ce genre de synthé très simple où en fait, tu tweaks rapidement et tu vite un son sympa. Voilà. Ouais. C'est mon, mon SH1 euh, euh, on the go. Ouais, moi j'avais trouvé que c'était euh, très cool parce que, effectivement, tu peux avoir des sons. Euh tout de suite assez, qui sonne vraiment 80, parce que le chorus est vraiment sympa la reverb est cool, puis les contrôles sont très simples euh, donc bon, fatalement, euh, voilà, what's not to like comme on dit, en plus je crois que là, il coûte ça coûte combien Il est encore en promo 49 dollars euh, avec le code euh, les sondiers, le code sondier là il y a 15% en plus donc ça fait le truc à 40 balles, peut-être moins si ça se trouve, franchement enfin voilà, ça vaut que dalle. Bref. Non, et ah, oui. le même, leur nouveau est vachement bien. Je, pareil, je l'ai acheté. Le hein. Atom. Ouais, ouais, très bien. Ouais, il est bien. Ouais. Ouais, J'aime beaucoup aussi. À, à noter aussi que Baby Audio, ils ont, euh, je sais pas, 4 ou 5 plugins euh, gratuits, euh, freebies. Euh, oui, tout ça, à fait. C'est un bon moyen aussi de rentrer dans, le, dans leur univers un peu, voir ce qu'ils font. Euh, voilà. Euh, ouais, pour ceux que ça, ça intéresse. Fait. Donc, il y a un Magic Dice, un Pitch Drift, un Beat Slammer et un Magic Switch. Il y a un ah, delay aussi, c'est assez cool. Alors Magic Switch, je crois que c'est leur euh, chorus et je crois qu'ils sonnent très bien. C'est un chorus gratuit, ouais, tout ouais, à fait. Ils sonnent très bien. De type Juno, One Button, euh, des années 80. C'est pas une émulation euh, directe du chorus Juno, mais ça sonne euh, presque comme. Dit-il. Ouais, <laughs> ça sonne bien. Voilà. Et Blast, il en pense quoi Il en pense quoi Effectivement, on nous demande dans le dans le chat. Poser la question. Voilà. T'en penses pas grand chose, t'en penses rien. Oui, mais c'est sûrement, sûrement très bien. Très bien. <laughs> Pépito possède de Zizi. Ah, ça, ça on l'avait pas eu depuis des. Si on l'avait eu ou pas, je me rappelle pas. Je non, non, pas. non ah, dans les, les il a sorti son sampleur Pépito possède de Zizi. Ok, euh, il est donc temps qu'on passe très rapidement à la suite. Euh, oui, toujours, euh, toujours des plugins. Alors peut-être d'abord, on va parler un peu du Digitact. Parce que j'ai lu qu'un client de Thoman avait reçu un email comme quoi euh, Thoman a dit euh, euh, Vous avez acheté un Digitact, euh, désolé. Donc il lui a envoyé un email le mec a acheté un Digitact d'électron et il lui a envoyé un email en disant bah, Désolé, non, on ne peut pas le livrer euh, notre fournisseur vient de nous indiquer que le Digitact n'était plus en production. Donc euh, bah voilà on ne peut plus le commander donc désolé, euh, voilà. donc, on peut vous rembourser ou vous proposer autre chose. Et là, c'est la stupeur. <laughs> Parce que tu te dis quoi Le Digitact n'est plus en production Oh non, oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire Le bout s'approche euh, à Berlin. C'est le mois de mai. Tan, tan, tan. Alors, est-ce que ça signifie qu'on va avoir un nouveau Digitact Voilà. Noir, peut-être. Euh, voilà, ils vont rajouter, euh, je ne sais pas, un bouton un bouton noir en plus. Et puis, comme disait Simon, il va coûter 1200 balles. Euh, on ne sait pas. Euh, Attends, enfin. Euh, en général, ils... c'est pas c'est pas l'argent. C'est de... pas, pas le genre. Si c'est l'argent. Si totalement. C'est totalement l'argent. Ah bon? Ouais ouais. En fait, moi, j'attends l'Octatrack MK3 depuis euh, je sais pas combien de temps, mais, non, mais... le problème, c'est que on est quand même sur cette série des petits carrés là, des petites machines carrées là. Donc le Syntax, le Digitone, le Digitact Et mm -hmm. pour mettre les trois ensemble, ça serait, ça serait magnifique. Ça, un ça, ça sampler, fait... un synthétiseur FM et une drum machine. Une, Ce serait beau euh, ça. Ça serait pas mal, ouais. Ça coûterait. Poser euh... sur un rack à 3 niveaux. À ouais, mais ça, si ça coûte 1200 balles, on est content, tu vois. Ouais, mais non, je... ça, ça coûtera pas 1200 ouais, balles. Voilà. Ça, ça bah oui. 2000. Ouais. Tu vois, ça, ça c'est. <laughs> ouais, Il était le... déjà noir, mais arrête, hein, Mukin Muquin, comment on prononce ton, ton... Le... Le... Le nickname Le Mukin. prix À en Suède, tu sais, c'est cossu, hein. Ah bah tout à fait. Euh, D'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez euh, si vous voulez scanner le, le QR code parce que le coût de la vie à Nantes est assez cossu également. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à scanner le QR code pour faire un don. Hein ouais. Machine MK3 le fait, ouais mais machine MK3 t'as besoin de l'ordi. Après si tu veux machine plus, euh, il fait pas tout à fait ce que fait machine MK3. Le tout sur une table Teenage Engineering, il nous dit ordre au rire. Non, mais je, de toute façon, de toute façon Knopf, tu sais, c'est une, une espèce de règle d'Internet hein, pour, pour les trucs de musique. Tu cites un produit, t'as forcément un mec dans le chat qui te dira et à a celui-là qui le fait depuis <laughs> 7 ans. C'est comme ça bien. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai. vrai. J'adore me faire troller, allez-y, trollez moi. Euh, à quand un wofi noir, nous demande-t-on à quand, à quand Romain Gianetti au centre de son écran, surtout Parce que c'est quand, <laughs> quand même un sacré problème. Non mais si tu veux tu peux tu... Ah, Si tu veux moi regarde Je passe à la télé Regarde. Voilà on est bien là <laughs> Allez tout le monde dans un coin d'écran de... Non mais quand est-ce qu'on a un Woffy noir Et très pour, bon le... Moment... pour le millionième exemplaire vendu <laughs> Ah putain Ah ouais t'es okay. non, non mais je sais pas bah, Peut-être qu'on ferait série limitée à un moment donné Moi ça me rien en même temps de faire ça Mais je voudrais y trouver une bonne raison de le faire Juste pas pour faire une version noire tu vois Mais euh... Mais pourquoi pas pourquoi pas Et euh, je... est-ce que vraiment il y a, un... enfin est-ce que ça intéresse les gens d'avoir des couleurs particulières sur les machines Oui, et que surtout la couleur noire. En fait, quand il y a un produit qui sort qui est pas noir, tu peux être sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une version noire et là les gens se jettent dessus parce que c'est une série limitée. Donc ça justifie les 500 balles de plus. Et puis à un moment donné, Jean-Michel Jarre veut une version en or. Ouais, <laughs> C'est vrai, je l'ai lu. C'est Alkama qui vient de le mettre dans le chat. Attends, permanente marqueur. Oui, tout à fait. On peut, on peut faire ça là. Tu as, tu as tout à fait raison. Peu 3 coloré, on peut. euros chez Action. T'as ouais. un lot de, un lot de marqueurs permanents. Tu sais Il y a quelqu'un qui le blanc, c'est salissant. Oui. Oui, oui blanc, le, le rouge, Ça dépend, Si tu, c est c est tu es sale, ah. c'est salissant. Si tu es propre, ce n'est pas salissant. le Noir, ça prend le sac. Je J'adore. Noir, c'est salissant. Oui, blanc aussi. Noir, c'est salissant. Non mais en fait je pense qu'effectivement il faut faire les deux peut-être pour contenter Ah oh, quelqu'un a scanné le QR code. Oui 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 Enfin, il y a une personne qui a scanné le QR code. Bravo bravo à toi bravo. Ah oh là 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 si j'avais le sample de la donner. Oui bon, il a scanné le QR code, c'est super. Merci beaucoup. Euh, alors la suite tout de suite. Donc je ne sais pas si on aura un Digitact euh, MK2 au Super ouais, Boost, Probablement quand même. C'est-à-dire que fin mars, le truc est en rupture. Mi-mai, il y a le Super Boost, Ça sent quand même euh, le renew de la gamme. quoi. Ça sent quand même quelque chose. Est-ce que ça sent le Digitact MK2 Est-ce que ça sent l'Octatrack MK3 On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Euh, ça veut dire déjà donc... que probablement, ils auront un, un stand euh, au Super Boost, euh, nos amis suédois parce que l'année oui. dernière, si je dis pas de bêtises, ils avaient un stand, mais il n'était pas hyper euh, visible. Il n'était pas cas. fifou, ouais, ouais. C'était euh, pas petit incroyable. Si t'as rien ouais. à sortir, euh, voilà quoi. Ouais. Euh, je pense hein. que ça coûte des sous en plus d'avoir un gros stand. Tu vois Ah euh, euh, oui, ça coûte des sous, même pour des petits stands, hein. <laughs> dit-il. <laughs> <laughs> ça, ça pique encore. Ça pique encore un peu. Voilà. Non, mais effectivement, c'est leur meilleure vente. Mukin, Mukin. Comment on prononce ton nickname Tu, tu m'as pas dit. Tu vois ou alors tu m'as dit mais j'ai pas vu, répète-le. Euh, donc, je ne sais pas. Mais c'est sûr que si tu n'as rien à présenter de nouveau, ça sert à rien de venir avec un énorme stand si c'est juste pour montrer les produits d'avance. Et... Par exemple, comme Korg Berlin Ouais. En fait, attends, attends excuse-moi, mais la, si quand même l'année dernière j'ai fait la vidéo de l'analogue Hit plus FX, c'était quand même balaise leur stand. Mais il ça, était la base il de était... Viral VPS a été mise à jour. Ouais. <laughs> Ouais, peut-être. Si, si, il y avait quand même du monde. Il, hein, était, oui, il oui. était dans un bâtiment en étage. Enfin, moi, je trouve que c'était pas, pas, pas. Oui, c'était dans un bâtiment. Même que je suis arrivé, il dit Ouais, salut, c'est les sondiers. Euh, il m'a fait Ouais, bah. Ok, ah, d'accord. Euh, ok, cool. même. Ni bonjour, ni merde. D'accord, je me. D'accord. Quelqu'un pour m'expliquer Non, je me démerde. Ok, très bien. Bah, je me suis démerdé. Ça a été. <laughs> bon. Euh. Donc on verra. Euh, je vous annonce, parce que j'ai pris la décision que je, je vais participer au Superboost cette année. Euh, voilà, je n'ai pas été au NAM, mais j'irai au Superboost. C'est fait. Sinon, connaissez-vous la marque Expressive E C'est une marque française. Peut-être bah que vous ouais. la connaissez. Alors, Expressive crois. E vient d'annoncer quelque chose de plutôt intéressant. Alors, c'est à la fois un truc cool, c'est deux trucs cool et potentiellement trois trucs cool. Le premier truc cool, c'est... Euh, une suite expressive de presets slash plugins avec un instrument que vous connaissez sans doute qui s'appelle Faceplant ils viennent de, de sortir un, plusieurs packs de sons dit expressif certifié MPE Expressive I euh, avec ce plugin de chez Kilo Arts qui s'appelle Faceplant qui est un super plugin d'ailleurs pour le sound design euh, si vous connaissez pas alors Faceplant de base, ça vaut 199 balles et là, en fait, il y a une suite qui s'appelle donc la Face plant Expressive Suite. Est-ce qu'ils ont fait exprès de l'appeler Face Plant Parce qu'en euh, oui, anglais, évidemment. Face Plant, c'est casser la gueule, enfin, c'est tomber plat sur le visage. quoi. Et c'est Face, p h a s -E. oui, oui, non, mais je comprends ouais. bien, c'est p s -E, mais ouais. est-ce qu'il y a un vrai jeu de mots derrière ou... enfin, C'est très bizarre d'entendre Face plant. <laughs> ouais. Mais je, je sais pas Les à vrai dire. Expressivi, si vous nous entendez, euh, envoyez Alors c'est pas. Message. Attention, c'est pas Expressivi qui a inventé Faceplant. Ah, faceplant, c'est un ah, produit okay. de Kilo D'accord. Donc okay. euh, ki Kilo ça existe depuis euh, longtemps et ils ont ce produit donc qui s'appelle Faceplant. Euh, D'accord. Okay, alors okay. si je si je vais chez kiloarts.com, hop, voilà, je vais dans euh, Faceplant. Ok. Voilà. Donc c'est ce truc là. D'accord. Ok. Euh, que vous pouvez aller, euh, vous voyez, 199 dollars. Euh, alors, ce qui est cool, c'est que y a, tu fais tout avec. Hein. C'est euh, un super synthé de ouf. Il euh, y, a, y a tout ce que vous voulez à l'intérieur de ce synthé. Donc, bref, Expressive I, e, Donc, je vous ai montré, Kilowatt 199 balles. Faceplant Expressive Suite, donc c'est, euh, je sais plus, 4 ou 5 bandes de son avec Faceplant ah. pour 99 balles. Et si tu as déjà fait ce plan, tu enlèves, le, tu décoches le petit machin, et ça coûte 39 balles. Voilà, Les, les sons, juste les sons, c'est 39 balles. Cool. <laughs> alors ça, c'est cool, mais alors ce qui est encore plus cool, c'est quand on va voir, parce qu'en fait, euh, il voilà, y a quatre, les quatre banques de sons qui sont là, euh, donc 4 euh, soundbanks, banques, ça fait plus de 400 presets qui ont été donc faits par Expressive E. Donc vous en avez une qui s'appelle Stripe, une autre Delicious, Onirica, euh, Vol 1 et Vol 2. Et la particularité du truc, c'est qu'ils sont, ces sont prévus pour fonctionner avec euh, un contrôleur MPE. Et bien sûr, le contrôleur MPE euh, de Expressive E, c'est l'osmose, hein, comme vous le savez. Et donc, le machin est totalement optimisé si vous avez l'osmose. Si vous n'avez pas l'osmose, ça marche quand même si vous avez un contrôleur MPE. Mais si vous avez l'osmose, vous allez aller euh, encore plus fort euh, dans le truc. Alors, je vous fais écouter. Les sons sont assez cool. Pas mal, non Le Sahara, parce que bon, c'est l'actualité. Est-ce qu'il y a du C-Sex J'en sais rien. Ok, cool Voilà un son de Stripe. Alors Stripe, c'est la banque euh, qui fait des trucs avec des euh, avec des wavetables, qui sonne un peu plus euh, numérique, digital, quoi. Alors comme vous avez pu voir, on peut aussi l'utiliser avec Push 3, ah, puisque là ils font une démo avec le Push 3 qui est aussi MPE. L'Osmos n'est pas offert. Voilà. Allez, une autre démo. Onirica, alors ça c'est top. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Waouh, c'est superbe ça. Ça c'est magnifique. T'es chouette hein 100 balles, attends, je bouge pas. Delicious. Donc là c'est plutôt dédié au son de piano. Et là je vois, je vois Romain là dont les dont les yeux brillent déjà parce qu'il a un osmose. En fait j'étais en, en train de me poser une question en ouais. réalité mais qui était euh, purement euh, marketing. C'est-à-dire comment tu marketes un produit comme ça quand tu vends un, un clavier comme Smos qui a son propre moteur audio. Et où tu présentes finalement ton clavier avec un moteur audio euh, d'une boîte euh, tierce et euh, comme un contrôleur engine, parce que alors C'est une bonne question. Enfin, J'aurais presque la question inverse. Enfin, en fait, ça appelle presque... Je me dis en fait euh, ça pourrait presque appeler à ce qu'il fasse une version contrôleur MIDI en fait, juste. Ah oui Mais alors... Le truc c'est qu'il y a le moteur audio à l'intérieur, mais euh, il ne faut pas oublier que l'osmose c'est surtout un super contrôleur MIDI aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... Vous n'êtes pas obligé. Un, un des, des aspects, euh, je, vais, je, je vais le dire quand même, mais un des aspects peut-être un peu euh, compliqué euh, de, de l'osmose, c'est la programmation des sons. Parce que derrière, c'est le, le moteur Haken. Et si on ne maîtrise pas Ligan Matrix, qui est le, le fameux moteur, en plus si vous avez euh, démarré Ligan Matrix, vous, vous savez que c'est un peu une prison turque, on peut faire mi un million de trucs avec ce moteur audio, mais bon, il faut avoir euh, un certain degré de compréhension de comment fonctionnent euh, les générateurs de sons un peu évolués, et, et euh, c'est pas si simple à faire, euh, et en plus ça s'intègre pas euh, nécessairement très facilement dans l'osmose après, dans le, dans le truc. Donc là, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'avec ce, ce produit, qui est, qui est l'osmose, on peut aussi avoir n'importe quel synthétiseur MPE et utiliser l'osmose comme un super contrôleur MPE. Donc euh, voilà, c'est aussi ça qu'il faut retenir, je pense. Donc, si, si je comprends bien là, le, le deal, euh, euh, Faceplant, c'est un peu un genre de, de massif. Ouais, ouais c'est un très gros synthé. Ouais. Euh, c'est un, un moteur de synthé où tu peux faire des trucs différents. Ouais. Et donc, euh, Expressive E, ils sont venus faire des banques de. Des banques de sons, des banques de presets, qui utilisent ce moteur-là, et ils ont fait un deal avec les gens qui font Faceplant pour euh, faire une promo Exactement. et tout ça. Ensemble, Exactement. D'accord, Alors, okay. en fait, le truc, c'est que là, on vous le montre avec l'Osmose. Euh, évidemment que c'est, vous dites, euh, bon, si je dois acheter l'Osmose, c'est un peu relou. Ouais. Mais euh, on n'est pas obligé d'acheter l'Osmose. On peut juste acheter. Euh, déjà, rien qu'en soi, même sans parler d'Osmose, faut juste pas oublier que euh, le truc vaut déjà deux fois moins cher que le plugin. Avec lequel il est fourni. Ouais. Donc, si vous vouliez plante de Kilohertz, bah, passez pas ouais. sur le site de Kilohertz parce qu'il est deux fois plus cher. Passez par le site d'Expressive de, E et puis récupérez les banques. Et je vais dire aussi un autre truc, mais vous pouvez aussi acheter un, un x de chez Intuitive Instrument, euh, qui est aussi un super contrôleur MPE qui coûte vraiment pas cher. Euh, dans les 200 balles, euh, et, et euh, voilà. Si vous avez déjà un contrôleur MPE, euh, vous, vous avez Faceplant plante Et si vous avez déjà Faceplant plante euh, pour 39 balles, vous pouvez avoir des sons de ouf euh, qui sont utilisables avec votre contrôleur MPE existant. Donc voilà, c'est surtout tout ça. C'est un, un espèce de truc avec gradation, quoi. où en gros, soit vous avez déjà tout euh, et puis vous dépensez que 39 balles pour avoir les sons parce qu'ils vous plaisent. Si vous n'avez pas fait Faceplant, bah euh, vous l'achetez pour deux fois moins cher et vous avez les sons avec. Et si en plus, vous avez un contrôleur MPE, bah c'est assez cool parce que vous pouvez exploiter vraiment ces sons au maximum. Et si vous avez l'osmose, évidemment, c'est voilà, le nec plus ultra du truc. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'osmose. Ouais. Est-ce que si c'est tu... plus clair Bien sûr. Bien sûr, je suis en train de revoir les images du Hacken Edi Editor. En fait, on dirait une énorme grille de Sudoku. <laughs> non mais honnêtement, le, le moteur à Canaudio, c'est un des trucs les plus. Enfin, moi, je trouve c'est un des trucs les plus incroyables euh, qui est sorti ces dernières années. Il y a effectivement un petit sujet sur l'ergonomie, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a deux, trois personnes maximum qui maîtrisent le sujet euh, worldwide, et ils bossent tous chez Canaudio en fait, quoi, sachant qu'ils sont trois. Donc, euh, le jour où ils arrivent à démocratiser euh, l'interface de ce truc-là, franchement. Ça sera vraiment vraiment bien parce que c'est très puissant par contre. Voilà, c'est ça. Ce Après, en vrai, c'est un patch max hein, l'éditeur en question. Oui, oui, oui. C'est même pas un logiciel à part entière. C'est un patch max. Euh, et il y a une espèce de matrix, de comme ça où il faut faire correspondre des des chiffres, des lettres. Donc on, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et euh, c'est très très inhabituel. Est-ce que tu as réussi à produire du, un, du son en fait avec quand tu l'as testé ouais, 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 ouais. Moi oui. j'ai essayé et je, je crois que j'ai pas la patience en fait euh, nécessaire. <laughs> assez vite, euh, j'ai arrêté. Ouais. Mais, mais toi tu as réussi à faire des trucs quand même. Ouais, j'ai réussi à faire deux, deux trois trucs, mais c'est super euh, chiant en fait. C'est vraiment pas super ergonomique. En tout cas, moi je trouve pas ça super ergonomique, mais ça sonne c'est ouf. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que si tu veux vraiment aller euh, au fond des, des choses, tu peux. Il faut juste être euh, patient et avoir bien appris le truc et puis avoir surtout testé en long en large en travers pour comprendre quels sont les effets de quel module quelle formule en quelque sorte puisque en fait c'est des formules que tu appliques au niveau des de la matrice là en fait on dirait un démineur pardon c'est un démineur c'est un démineur c'est ouais, ouais. tout à fait ça voilà donc euh, voilà vous avez les différentes banques euh, comment ça marche les, les, les formules euh, etc etc donc voilà. si vous avez du temps allez voir c'est cool ok mais euh, c'est sûr que c'est ça, ça fait un peu peur. Donc aujourd'hui, quand on a un osmose, on a des presets qui sont tweakables. On n'a, en fait pas d'éditeur de son. On, on ne sait pas fabriquer de nouveaux sons. Ah, à partir euh... du, du synthé sans, sans interface. Eh ouais. Ah oui, c'est gênant. Ça quand même chavie pas du tout pour le coup. Bah tu peux. Enfin, en fait. Après, il y a beaucoup de presets et ils sont quand même bien tweakables hein, pour. Alors. C'est ça, c'est à dire qu'en fait, ils ont mis des macros qui vont vraiment très très loin. C'est à dire que sur un son, tu peux faire vraiment beaucoup beaucoup de sons différents. Donc, quelque part, c'est tu, tu trouveras toujours un son de base avec lequel tu pourras trouver le son qui, que tu cherches. Mais si tu veux vraiment designer tes propres sons, il te faut Ligand Matrix. Et puis après, une fois que tu es dans Liga de Matrix, tu designes tes sons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas les rentrer dans l'osmose, bah, tu n'auras pas. Tu n'auras pas la possibilité de faire facilement tes propres macros. Parce que, ouais. en fait, ce qu'ils ont fait euh, avec Expressive E, c'est qu'ils sont allés vraiment programmer chaque son. Et ensuite, ils ont fait littéralement quasiment une interface par son pour la macro. Donc, si tu veux, une macro qui fait plusieurs trucs et il n'y a pas le petit icône qui va bien euh, comme tu vois. Il n'y a pas d'éditeur de macro, macro, en fait. Il n'y a, a pas d'éditeur de macro en plus. Okay. Donc, ce n'est pas un synthé qui est fait pour... Euh... La recherche sonore mmh. ou le sound design, c'est plutôt pas... un synthé qui est fait pour la, la performance, un, un peu comme une ouais, workstation ouais, ouais, ou un ça. truc comme ça en fait. Mmh, tu peux faire du sound design quand même parce que tu, en fait le truc, est il y a tellement Alors, de possibilités d'expressivité express... en fait avec le truc que quelque part et avec les macros, tu arrives quand même à faire du sound design. Mais tu peux pas partir from scratch, ça c'est clair et net. C'est euh, c'est pas la, la philosophie de la machine. L'idée c'est plutôt tu pars d'un preset et tu le tweak. Pour arriver à en faire quelque chose. Mais effectivement, si tu veux partir from scratch, c'est ouais. pas la mécanique qu'il te faut. Quoi. Tu, sais, tu sais, avec une ponceuse à bande, tu peux, tu peux nettoyer ta table. C'est pas fait pour, mais tu peux, tu vois. Donc c'est difficile. C'est <laughs> une image euh, intéressante. Non, mais il y, y a toujours moyen, <laughs> y a toujours moyen de le image faire, en tu vois. Mais initial, euh, je crois. Euh... Et mission 330, la ponceuse à bande. <laughs> non mais, <laughs> non mais, il y, y, y a moyen avec n'importe quelle synthé, avec un <laughs> Moog, euh, avec un mini moog modèle D, peut-être que tu peux faire un son de string, tu vois. Mais bon, c'est pas forcément. Habitif, compris, à es ouais, mais euh, après, euh, je pense que ce qu'essaie que de dire Romain, enfin euh, moi j'ai aussi l'osmose, donc je peux en parler. C'est un truc qui est assez incroyable avec l'Osmo c'est que tu as une, range, un, une palette de sons qui est énorme et qu'en fait par son tu as quasiment j'allais dire une infinité de sons sans doute pas mais tu as vraiment un range de sons par par preset qui est très très important et ça multiplié par l'expressivité que tu peux ajouter encore en plus quoi. Donc euh, bon globalement tu tombes pas à court mais... de son, mais tu peux pas faire les que voilà est-ce que c'est déjà préparamétré, tu sais, avec, avec oui. des macros justement, sur quand tu bouges ton, 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 ton doigt comme ça Tu vas ça va sur une page ça... spéciale qui s'appelle la page des macros, et tu un certain ouais. nombre de boutons qui ont chacun un icône particulier, mmh. et, et en fait, c'est pas toujours les mêmes icônes. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu as, as un son, ouais. des fois, tu as, as un truc pour ouvrir le filtre, tu un certain icône. Après, à côté, le bouton numéro 2, c'est pas toujours les mêmes boutons par macro. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à fabriquer des boutons spéciaux pour certains sons tu vois ce que je veux dire d'accord ils ont été loin quand même moi perso non, donc je, je l'ai depuis pas très très longtemps enfin quelques mois à l'osmose et euh, vraiment je trouve c'est une machine fabuleuse et surtout qui donne un plaisir à la jouer c'est à dire que bah, oui. au, au, au delà si tu veux de, voilà, de faire de la recherche sonore etc mais tu prends du plaisir juste en jouant dessus en fait parce que vraiment le clavier il est ouf quoi voilà Bon, mais la news c'était pas ça, c'était pas face... ça, <laughs> c'était la Faceplant Expressive Suite euh, où vous aviez euh, donc euh, pour 99 balles. Euh, alors je crois que c'est un prix d'appel parce que ça va coûter le prix de Faceplant en fait. Mais là, je pense pour le lancement, euh, euh, c'est le intro offer comme ils appellent ça, l'offre d'introduction. Euh, vous avez un 50% de réduc sur la Faceplant Expressive Suite donc jusqu'au 15 avril. Donc c'est un petit mois. Euh, vous avez donc euh, le produit Faceplant à moitié prix. Et puis pour ce prix-là, vous avez les quatre banques dont vous avez entendu certains sons tout à l'heure. Et si vous avez un contrôleur MPE et ou l'osmose, euh, c'est encore meilleur. C'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà. Merci. <applause> euh, les qui sont très faibles. Merci Expressive E. Euh, bon, après, euh, tu rachèterais toi un osmose, Liane Folly, ou pas Tiens. J'hésite depuis longtemps, ouais. J'hésite depuis longtemps. Alors déjà, j'hésite parce que je pense que mon jeu de clavier est pas assez bon pour gérer une machine comme celle-ci, parce que mmh. euh, voilà, le, 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 MP, le MPE, c'est bon. Voilà, tu t as vite fait de te retrouver comme un débutant à jouer faux, quoi. Ouais. Euh, mais après, oui, c'est une machine qui me fait envie de toute façon, parce que euh, parce que c'est un peu le futur, ne serait-ce qu'en termes de contrôleur, c'est un peu le futur. Ouais, ouais. Oui, mais, mais par exemple. Euh, Typiquement, il ferait un contrôleur à 900 balles ou 800 balles. Je, je pense que je l'aurais acheté déjà. Juste le contrôleur et pas le moteur audio. Ah ouais, 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 ouais. Déjà parce qu'il me semble que le, le moteur audio euh, d'expressif on peut le trouver en plugin. Le moteur, le Hacken Audio, tu peux. Euh, je ne sais pas si tu peux l'acheter séparément. Tu peux, le seul moyen de l'avoir, en fait, il est dans les produits d'Hacken Audio, donc le Continuum. Ouais. Tu l'as en module Auroraque. Ah oui. Le module Aurora. Si tu achètes le module Aurora, qui vaut, je crois, 400 ou 500 balles. Mais par contre, tu l il n'existe pas en virtuel. Et en plus, je crois que la façon dont c'est développé. Enfin, en tout cas, ça a été développé pour un certain type de DSP. Et un... je crois pas qu'il. Je... À ma connaissance, en tout cas, je crois pas okay, qu'il okay, okay. Ouais, c'est un hardware bien spécifique. Ouais. Mais typiquement, avec le, avec le, le, nouveau, le nouveau plug de, de Baby Audio, euh, ça marcherait bien, tu vois. C'est exactement le ouais. synthé qu'il faut pour le nouveau. pour le Comment je ne sais plus comment il s'appelle, le, le, le plug Le, de, le Atoms euh, ou le BA One Ouais, le, le Atoms. Le Atoms. Ouais, bah oui. Parce que là, avec les cordes frottées et tout, c'est vachement cool. Tu peux faire des ouais. tonnes de trucs. Mais oui, oui clairement, juste, j'ai plus la place. C'est pour ça. Mais sinon, ouais. oui. <laughs> euh, c'est pas, pas un problème, la place. Tu un, un casque Vision Pro et puis euh, hop, tu te mets dans l'espace virtuel. Si, euh, <laughs> si, la place. Moi, je comprends ça. La place, c'est un problème. La je place, c'est un problème. Tu sais, j'ai passé une, tout, tout un moment où, euh, où j'achetais tous les synthés en, en avec le clavier, quoi. Et en fait, maintenant, je commence à me dire, putain, en fait, j'aurais dû acheter les modules. C'est moins joli, mais bon, voilà. Ouais. Après, pour euh, les modules, pour la polyphonie, c'est quand même chiant, tu vois. Ah, tu veux dire les modules euh, Tu parles pas des, modulaires, non, des oui, modules non, le, le, tu... le Prophète 5 en, en... ah, en... oui, en desktop et desktop, tout ça, ouais. ouais ouais bah Tu peux tu peux swapper, tu t'as qu'à vendre le, le synthé. ouais euh, mais non, pas que tu Moi, je te l'achète oui, 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 oui. pour, pour 3, 300 balles. Je peux, je peux te le prendre, ton prophète 5, comme ça, tu peux t'acheter un desktop derrière. Génial. Merci, <laughs> t'es vraiment un pote. hein ouais. <laughs> bah bah, Et toi, t'es pas un pote Tu vas pas me faire un prix quand même Un prix d'avis non. Bon. non, absolument pas. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit vous savez que le module euh, de chez Haken Audio, on peut le trouver. Au SinFest et ça me fait une excellente transition pour vous parler vite fait quand même du SinFest puisque c'est bientôt en fait c'est au mois d'avril euh, et comme d'hab ils font leur euh, leur tombeau donc vous pouvez aller sur sinfestfrance.com ouais c'est ça 19 20 21 avril euh, à l'Odyssée donc c'est au même endroit que l'année dernière qui est un chouette un chouette endroit c'est l'événement synthé français, euh, vous savez maintenant. Je vous en ai parlé déjà les 14 000 années précédentes. Euh, bon, maintenant ils sont bien assez connus. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc ils ont. Tiens, bah, d'ailleurs, il y a quand même une vidéo de chez euh, Projet ah, Home oui. Studio ah, sur le FinSpace 2024. Mais, vous pouvez mais voir ne serait-ce pas un office sur la, la vidéo de Projet Home Studio oh. Ah, mais oui. Alors, oh, bah, j'allais en là, parler là. parce que il y a une tombola slash raffle. Euh, et donc, euh, comme l'année dernière, c'est un truc assez assez sympa. Je crois qu'il y a dix mille balles de cadeaux, euh, dont donc un osmose donc voilà. Si vous venez, <laughs> si vous venez au SynFest et que vous achetez un billet à 10 balles, vous pouvez euh, potentiellement gagner un osmose un Essence FM, un Haken Audio, Igan Matrix et le quatrième prix, un woofy offert par kiviac Puis bon, bah il y a plein d'autres trucs. Que vous pouvez gagner. Je vous laisse euh, lire la liste. Ça se passe sur sinfestfrance.com. Il y aura aussi un concert de euh, notre amie Cécile, alias De Laurentis. Mmh, de euh, il y aura aussi Odalie cool. euh, qui fera un concert le même soir, le samedi 20 avril. Alors, si vous achetez euh, les billets, l'accès, alors je ne sais plus combien ça coûte, l'entrée. Le, le, c'est... Euh, il y a un passe-trois jours à 20 balles. Le concert, c'est 15 balles. Et euh, sinon. Euh, Sinon, sinon, c'est combien la journée J'en sais rien. Enfin, vous irez voir, ok 700 euros voilà. la journée. Mais voilà, c'est pas parce que vous achetez la tombola que vous avez l'entrée, et c'est pas parce que vous achetez l'entrée que Entrée vous avez le concert, la et la tombola, c'est vraiment euh, des trucs séparés. Oui, Stéphane Escorier, il y a une tombola. Où t'étais Pendant les cinq dernières minutes, je viens de le dire, enfin Bon, ok Écoute, je, je, je remarque quand même qu'en 2024 l'équipe d'organisation du, du fest que je, que je salue, hein, euh, c'est des copains, ils ont décidé d'ajouter le mot « rafle » en alternative à « tombola <laughs> ». Je crois que ça y était déjà l'année dernière. Parce que ça fait des années que je me moque du mot « tombola », donc ils ont choisi un mot ouais. alternatif. Ouais, Est-ce que c'est un bon choix, le mot rafle. « enfin, alors, je alors, je voilà, rafle » Non. Le <laughs> rafle <laughs> <laughs> pas comme ça. Voilà. Il y a 2000 tickets de Tombola. Bon, j'imagine qu'il y en aura assez pour tout le monde. Euh... Et c'est des beaux prix, c'est cool. Hein. C'est ouvert ah, les trois jours au public, euh... je pense que oui. Mmh. Euh... Donc voilà. Euh, je ne sais pas si on peut en acheter plusieurs, mais j'imagine que oui. Enfin, Imagine, juste faites gaffe. Ro hein. Romain, il joue, il gagne le wifi. Et ça, ça serait tellement l'effet en fait, de gagner ton propre truc. Ça en serait <laughs> tellement humiliant, ah, en fait, quoi. Et tu, tu, tu le sais, récupères comme ça, tu C'est Obama qui se met sa, sa médaille et le tu sais, comme ça, ça derrière. Ça tu vois. Donc voilà. Ah, et je note qu'il y a quand même... Euh, Excusez-moi parce que je, je m'en rends compte seulement maintenant. Il y a quand même eu... Oh mon dieu, 12 personnes qui ont scanné le QR code. Il est là. Le QR code, oui, merci, merci, merci. C'est absolument fantastique, merci. Je ne sais que vous dire, je vais. On plaire. a un gagnant depuis 40 ans. Hein. Quoi Quoi euh, non, Mais on peut pas toujours interrompre. C'est pour ça que euh, le, flux, le flux. Et eh bien oui, tout à fait. Alors c'est reparti. On va dire qu'on avait un petit euh, plugin mini fric v à gagner ce soir. Et, 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 et c'est qui c'est qui qui a gagné Attendez, je vais tout de suite dans le salon concours. Et c'est. C'est Fox Fog qui gagne. Bravo Fox Fog. Regarde ce que t'as gagné. C'est beau. Je suis déçu que ça ne soit pas Jean-Sébastien Bach qui ait gagné le, le mini fric V. Ouais. Merci Arturia pour le plugin. Euh, donc euh, c'est très intéressant. Alors, Fox Fog. Je t'invite euh, à venir en message privé sur euh, Discord et aucun autre moyen s'il te plaît, euh, pour venir me donner l'adresse email associée à ton compte Arturia. Si tu n'as pas de compte Arturia, tu peux t'en créer un hein, gratuitement sur le site Arturia.com et tu me transmets ensuite l'adresse email que tu as renseignée dans ce compte pour que je puisse demander à Arturia de provisionner ton petit mini fric V euh, dès que possible. Voilà voilà, merci beaucoup. Bravo à toi. Et euh, je voulais changer de plugin en fait. Euh, je, on en a marre du mini freakway. Vous en avez marre ou pas Non Non, vous en avez pas marre bien sûr. Euh, ça va être l'heure. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans les 5 minutes qui restent Ah, qui utilise la distorsion dans, dans l'assistance bah, tout, tout le monde. Tout le monde. En fait, d'une okay. manière générale, oui. voilà. D'une manière générale, vous utilisez de la distorsion. Vous avez peut-être dans le passé utilisé euh, Isotope Trash, euh, et donc Isotope Trash était coincé à la V2 depuis environ 2000 ans. Eh bien, euh, vous avez sans doute appris récemment que Isotope Isotope ou Native Instruments, puisqu'en fait, on, maintenant, on sait que c'est c'est Native Instruments. Euh, ils viennent de libérer la V3, et euh, la V3 arrive avec un certain nombre d'amélioration. Euh, donc je vous partage tout de suite la page euh, qui en parle. C'est celle-ci. Euh, la distorsion de, de isotope trash et de retour. Euh, et alors un truc intéressant, c'est qu'ils ont une version gratuite qui s'appelle le Free Light Mode. Pour vous donner un petit avant-goût euh, de comment ça marche. C'est bien sûr compatible avec Apple Silicon. Et je vous fais écouter le truc. Euh, on va essayer de se le mettre en plein écran, ça sera mieux. Reintroducing trash, Reintroducing. trash, your favorite creative distortion plug Donc, from my plugin from uh, distortion Break, différents. Distort and mangle your tracks with an endless assortment of chaotic combinations. Transform your sound in ways Moi, you bien never les imagined. Petites démos, là, attendez. Let's dive into what's new in Trash. Donc il y a plusieurs modules de disto. Je crois With a the trash module, si j'ai bien compris. Trash's namesake module you combine to four distinct flavors dans les quatre <tousse> coins. Là, vous avez <tousse> un mode euh, convolution aussi là. vous pouvez charger des trucs là. je vous le mets aussi vous chargez vos propres Impulse Response aussi dedans. Ça fait deux vous avez lows, du processing multiband, vous, euh, vous pouvez mettre de la disto et de la convolution sur des bandes, un peu comme ce qu'on fait dans Ozone par exemple. C'est cool quand même. Donc ça c'est sur les, les mid. On peut le mettre sur les bas mid, Simon, t'imagines Génial <laughs> On a un truc pour mixer, voilà, mix control, bon ok, super. Il y a un enveloppe follower. Donc ça c'est pas mal l'enveloppe follower pour mettre de la disto juste avec une réaction par rapport à l'enveloppe. Ça ressemble beaucoup au nouveau plugin de disto d'Ableton en fait. Ouais, c'est pas faux. Donc j'allais y venir, mais effectivement dans Ableton Live 12, maintenant on a le ROAR. Le, le Roar qui fait à peu près ça aussi. Donc, à vous de voir si vous avez Ableton, si ça vaut le coup d'aller euh, sur Trash. Et, ou pas. et, je, et je vois quelqu'un dire ça sur le chat, mais il a raison les, les plugins top c'est euh, ultra gourmand en CPU. Et ça, c'est souvent le cas. Ouais. Par, par ça, je ne les utilise pas pour cette raison-là. Euh, ah, c'est vrai que euh, moi, j'ai remarqué aussi que c'était gourmand en CPU. Maintenant, si tu veux aller par là, moi, j'ai remarqué qu'Ableton Live 12 était ultra gourmand en CPU également. En tout euh, cas, quand par rapport fais, à live je, 11, je, voilà. Quand je fais des projets avec des stock plugins et 4 pistes, moi je m'en branle. Tu as testé live 12 Ah, oui, oui, bien sûr, ouais. Et... Depuis, depuis, depuis plusieurs semaines même. Et ça marche bien Ça ah, va nickel. Parfait merveilleux tu es donc c'était tué celui avec lequel ça marche bien non je mais déconne euh, j'étais sur la version bêta j'ai pas testé la finale film. donc euh, peut-être que peut-être qu'il y a Anguille, euh, Baleine sous gravier comme dirait l'autre mais euh, faites-nous un feedback là, dans le chat comment comment ça marche pour vous avec Ableton 12 euh, dites-nous et notamment si vous utilisez les plugins de disto alors Alkama zéro souci donc ça doit être moi ça doit être moi c'est forcément moi ok j'avais même zéro souci avec la bêta en vrai Bon. Bah moi j'avais des soucis avec la bêta. Mais peut-être que sur PC euh, c'est différent, je sais pas. Euh, je pas suis possible. sur Mac. Mais... Oui, je sais que tu es sur Mac. Ah oui, vous, vous êtes sur PC, pardon. Voilà. Je, je, je... <laughs> je suis sur PC. Euh, parfait, Live12, parfait. Tout le monde est content, mais c'est magnifique. <laughs> je, vais, je vais donc euh, jeter mon PC et puis, euh... <laughs> et puis tourner sur Ableton ouais, hein. Live12 par défaut. Ça marche. Alors... Euh, je crois que c'est la fin de cette émission. J'en profite pour vous dire merci à toutes et à tous. Je vais quand même euh, vous rappeler que pour Trash, parce que j'étais en train de parler de Trash et j'ai oublié de, de donner le prix, de mémoire, c'est dans les 75 balles, 73,22 euros <coughs> en offre de lancement au lieu de 99 balles, je crois. Mais si vous avez déjà Trash 2 ou la Music Production Suite, c'est-à-dire toute la suite isotope, euh, vous pouvez l'avoir à 33 euros. Ce qui est plutôt bien. Si vous avez déjà un isotope quelque part, euh, euh, des produits isotopes quelque part, vous pouvez l'avoir pour euh, un peu plus de 30 balles. Euh, je me tâte, honnêtement. Je, je me dis que, ouais, pourquoi pas. Euh, un plugin de disto que je peux utiliser comme ça n'importe où, qui a l'air quand même de sonner pas mal. Euh, je me tâte. Voilà. Et puis, c'est tout. Toi, tu utilises quoi comme disto, Simon euh, Moi, j'utilise quoi comme disto J'utilise <laughs> C'est honteux, moi j'utilise beaucoup de pédales de disto parce que je trouve ça cool, parce que tu sais je viens du rock et tout. Donc ouais. j'utilise ma vieille Metal Zone pour ah, de bref, vrai, parce que je la trouve très bien. Et après j'ai tout un tas de fuzz, j'aime bien les fuzz et tout. Puis j'utilise vachement le, le, le drive du Zendaled de chez Cassis, euh, ah, ouais. qui est chaud et, et beau et sympa. Chaud et beau. Ouais. Et un DP4, oui, <laughs> effectivement, mais pas pour la, pas pour la disto. Ouais, pas pour la disto. Bon, bah, euh, en tout cas, c'est cool. Et euh, t'as des pédales de disto T'as une Big Muff toi, je crois, Romain Non j ai, j ai, Il me semblait que j'avais vu une Big Muff chez toi Ouais, Big Muff Et moi, j'utilise surtout le Sherman Filter Bank. Ouais. En poussant l'input en fait, du Sherman. Et ouais. euh, ça, c'est euh, depuis 20 ans, en fait. Et ça, ça. Je l'ai jamais testé en disto. Ça, ça, ça crache vraiment Ça fait vraiment saigner du nez, quoi. D'accord. Il <laughs> okay. bon, faudrait que je teste alors. <laughs> faut que je... Eh, quand tu viens, je te le ferai tester. Tu pour... Mais il ne faut juste pas avoir les dents fragiles, ça peut déchausser les le <laughs> qui... Les dents qui se déchaussent. Ok, ça marche. Bon. Ok. Bon, bah, merci les amis pour votre participation à l'émission de ce soir. Merci à tous les gens sur le chat. Vous étiez 500, euh, plus de presque 600 ce soir. C'est quand même assez fort. Euh, 13 personnes ont scanné le QR code. Ouais, ouais, merci, merci. Vous pouvez aller découvrir euh, tout ce qu'on peut faire pour soutenir la chaîne Les Sondiers en dépensant 0 euros de plus, par exemple en allant sur thoman, euh, lesondiers.com/slash thoman. N'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment bien euh, pour, pour moi. Hein, franchement, j'adore ça. Euh, j'adore l'argent, hein, d'une manière Allez-y. C'était euh, ça, ça, ça quand de même cool de, de pouvoir visiter les Maldives. Je veux dire, de décéder, vrai. ouais, bah, tout à fait. Les Maldives avec mon Vision Pro uniquement. Ouais. Euh, sauf que bah moi c'est un truc en carton parce que j'ai pas les, les sous pour acheter Puis le, le Sinfest Maldives, euh, je veux dire c'est quand même un gros event quoi. Sinfest uh, Maldives, ouais c'est ça. Alors sinon, euh, je voulais aussi euh, passer du temps à remercier tous les gens qui nous soutiennent euh, sur les euh, différentes plateformes. Euh, notamment euh, Patreon, Tipeee euh, et toutes ces sortes de choses. Donc je vais lancer les applaudissements Parce que sur Tipeee, vous pouvez avoir votre nom cité dans l'émission. Je vais remercier donc ceux qui ont voulu avoir leur nom cité dans l'émission. Je parle bien sûr de Nib Colographe, Abdul Kadir, Blaise, François. Passif, Agressif, Chloé, Toon Spirit, Frédéric, Le Filo, Trèche TV, Osinji, Balépatch, Joël, M64BE, Electro, Edouard, Toutour, Joël, Chirpac et Marzac. Je vous rappelle que vous pouvez aussi aller écouter sur Spotify les dernières releases Orange Machine. Euh, vendredi dernier, on a sorti un super titre euh, qui s'appelle Vidjoun, euh, que vous pouvez aller écouter euh, en boucle. Euh, titre de Sebzak et Scorch. Il euh, y a une autre sortie le 5 avril. Ça sera Origin, le morceau que j'ai fait pour le... Euh, le morceau que j'ai fait pour le, le Push 3, vous vous rappelez J'avais fait un, non, un morceau à base de plugin Stock Ableton, et et ben je le sors le 5 avril. Donc si vous vous rappelez d'Origin, si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez aller l'écouter dans la vidéo Push 3, ben il sortira sur les plateformes le 5 avril. Ça sera la prochaine sortie. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter tout ça et écouter aussi toute la musique de nos invités, notamment Liane Folly, <laughs> Acid Machine, et euh, Le P avec Greg Cozo qui Est sorti déjà en janvier. C'est une machine, c'est avec du, une TB303 Absolument pas, il y a absolument ouais, pas de TFA. Enfin, si, hein, il y a, il y a 10 secondes de TB que j'ai mis pour le clin d'œil. Ouais, ouais. ouais. Je me suis dit non, c'est marrant, tiens, voilà. voilà. <laughs> ça décoiffe, ça, ça, ça fait que les dents que, euh, se déchaussent également, mais c'est très sympa. Très très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, Merci beaucoup, salut à toutes et à tous. Je vais pouvoir lancer le générique maintenant. Au revoir, au revoir. Ouais, ciao, au revoir, bye. au revoir, générique de fin. Ciao. Oui. C'est ça. Merci pour les scans de QR code. Pépito possède de Zizi. putain. C'est une catastrophe. Oh. On n'a pas eu. Euh, on n'a pas eu Poussinville. <laughs> non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, cul à mouton, oh. <laughs> oh la vache, la Nous <laughs> sommes vieux. T'as Cavicule